Ouais poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Hey, je veux que ma mère soit... Vous pouvez juste rester un peu vigilant parce que là c'est les Aztecas qui vont arriver là pour récupérer le Tech 9. Ah ouais, vigilant ou pas, je te mens pas. C'est toi, sois vigilant. Nous on est là. Nous. Toi, j'ai bien compris que je pouvais pas compter sur toi de toute façon. Non, mais non, c'est pas ce que tu penses. Ouais, bien ou quoi les frères? Ah les gars. Non, ça va pas, non. Pourquoi ça va pas les gars? T'es qui toi? T'es aussi un mon frère, Idriss. Ouais. Bon, ouais, rien de personnel. T'as vu, ça c'est parce que hein, pour les coups de feu qu'il y a eu l'autre fois. Oh, parlez plus fort s'il vous plaît. Je te disais, y'a rien de personnel, hein, comme je t'ai dit. Des coups de feu qu'il y a eu autrefois et suivi voilà. De deux morts, comme. Écoute, ça c'est les Vagos, vois avec les Vagos, ça c'est pas nous. Tu vois, nous on a. C'est pour ça que pour se rattraper sur ce geste-là, parce qu'on ne savait pas que les Vagos ils allaient abattre de tes frères, on a volé le Tech 9 chez les Vagos, t'as vu que. Pour te le rendre, sinon t'allais plus l'avoir. Tiens. Pourquoi vous êtes pieds nus, les gars? Mais c'est pas... Attends, recule, tu te fais reculer un peu, recule. Mais c'est pas gratuit. Bah, c'est pas gratuit. Comment ça, c'est pas gratuit? Attends, déjà, t'as buté. Allez, vous avez contribué. Et voilà. On savait pas, je te jure qu'on savait pas. Attends, parce qu'en plus de ça, les 500 kilos, là, que je vous ai livrés, tu me les as mis dans le cul. Écoute, on s'est fait baiser, nous deux, dans l'histoire, t'as vu? Dans 19h30. Nous deux, on se les mangeait dans le cul, comme tu dis. Les Vagos, ils ont pris la coke, ils nous ont pas donné un seul gramme. Un seul gramme, ces fils de pute. C'est pour ça qu'on te rend le Tech 9, sinon je l'aurais pas rendu. Je t'aurais pris ton Tech 9, ta coke, tes deux frères, ta dignité, on serait parti. Là, on revient vers toi pour te rendre ton Tech 9 et pour qu'on trouve une solution ensemble à se merger. Parce que nous deux, là, on a perdu de l'argent dans l'histoire. Là. Merci, Culp. Ouais, mais moi, j'ai pas que perdu de l'argent. Oui, mais bon, tes deux frères, t'en as des milliers de frères. T'en as plein, non? Ouais. Et ça, c'est les Vagos. Vous êtes en guerre, c'est normal. Ils nous ont expliqué que tu les niquais tous les soirs, que t'étais trop fort, t'étais un peu le... Vous êtes un peu les boss. C'est ça, non? Ouais. C'est pour ça. Bref, je te rends ton Tech 9. Et là, faut qu'on... Tu vois, nous, on est prêts à tourner la page, à possiblement faire affaire ensemble. Pas forcément tout de suite, tu vois. Là, j'ai rien à te demander, y'a rien. Mais peut-être plus tard, tu vois, on s'appelle ou quoi, s'il y a besoin de quelque chose. Très bien. Et si t'as besoin de gars pour quoi que ce soit, tu vois, attraper un mec ou n'importe quoi, tu nous appelles, on est redevable, tu vois. Tu nous appelles et on fait ta mission. Très bien. C'est bon les gars, on fait comme ça. Je garde ça en tête, mais j'oublie pas que t'as souillé ma confiance une fois déjà. Eh bah les couilles, on est là pour l'argent, dis-lui, Drésilui. Non, qu'est-ce que vous commencez à penser? Ouais, tu m'as souillé nani nana. Eh, c'est du bif ici, rien à foutre de vos problèmes de merde. Que le bif, voilà, dealer Idriss. Mais mettez au moins des tongs ou des claquettes. Non. C'est dans notre religion si on est pieds nus. C'est quoi? Ah, désolé dans alors. Notre religion. C'est un truc religieux. Vas-y, bah tranquille alors, je juge pas alors. Moi je juge et mettez des chaussures les frères. Non, mettez-moi des chaussettes s'il vous plaît. Hey, vos au moins, sont au moins des sockets alors. Au moins t'es mis dans le jean, mis dans le. Voilà quoi. Eh, hey, oublie pas, s'il y a une mission, un truc du taf, on est redevable, tu nous appelles. Ils vont nous baiser nos mères. Ouais. Ah, dommage. Deux types en duo, ouais, allez, frère. Bien, Micheton. Ouais, Micheton. Ouais. Ok. Il y a une chica avec vous. Moi, ouais, c'est ma cousine, on touche pas ma cousine, comme ça c'est réglé. Ok, bon, il y en a un déjà qui est en train de m'énerver. Oh, s'il vous plaît. Toi, t'es qui toi? Ouais, c'est Lala. Lala? C'est sa cousine à lui? Ouais. T'as une arme? Non. Ok. Pas toi, justement, toi t'es qui toi? Bon, je suis Franjo, moi. Toi, t'es Franjo toi? Hein? Ouais, c'est moi. T'as une arme toi? Non, non, j'ai pas de mère. Ok, et toi, t'es qui toi? Moi, c'est Duchesne. Duchesne, t'as une arme toi? Non. Lamar, t'as une arme toi? Non. Mais t'inquiète, je t'en parle après. Je vais péter un câble. Bon, je peux régler le problème dans 5 minutes, je vais chercher une arme, je reviens. Ouais, voilà, ramène-en deux même si tu peux. Vas-y. Ah,
seul, je peux pas te garantir deux, moi. Vas-y, ramène-en, ramène ah, le mieux que tu peux. Ouais. J'arrive. Et s'il te plaît, arrête de faire le perroquet, t'es en train de m'énerver. Ah, compliqué. Ok. La Mar, c'est qui eux là? Alors, elle c'est ma tata et lui c'est un pote. Ça va, Lala, tu t'appelles Lala comme Lala? Ouais, ça m'appelle Lala. Lala. Oh, Lala, c'est ça. Comme ok, Lala. Comme la chanson, ok. Lala. Ouais, mais. Et Lala, tu fais quoi en Crocs? Bah, j'aime bien, c'est. Mais pas d'air, ils ont pas d'armes, on fait quoi? Tu vois où Aiden? Piétiné. Attends, j'ai pas mon véhicule, je sais pas. C'est quoi cette équipe là? Je justement ce soir là. Regarde, viens. Ok, non, mais ils vont faire semblant, ils vont faire semblant d'avoir une arme. C'est un. Ouais. Moi je peux te trouver avec quelqu'un qui vend des armes. Qui? Mais non. Ça s'appelle Jimmy. Si tu veux appeler, on prend rendez-vous avec, je te le ramène. Jimmy? On est foutu. Ouais, il est okay. Cool. Okay. Eux et leur couille. Ok, faites ça comme ça avec vos mains pour voir. De quoi? Faites ça avec vos mains là pour voir. T'avais un Guigui toi? Comme si t'avais une arme. Ouais, attends. Je crois qu'on aura pas le choix, hein. Moi je peux payer une arme s'il faut, je peux en acheter une, t'as vu, mais il faut. Ouais, une... ouais voilà, toi, t'es bien, toi. Bien le faire. Ouais, tu voilà. Fais mieux que moi, toi. Comment tu fais, toi? Comment je fais? Attends. Non, la Mars, c'est pas l'avion qu'il faut. D'accord. Oui, mais la Mars, c'est. On demande une équipe, ramène quelque chose bah, de. Il fallait que tu t'aider. Bon, on va faire avec ce qu'il y a. Eh, parle bien, Gato, quand même. Bah, si tu veux pas que je te mette une droite, Bah, viens, on se marre, y'a pas de problème. Hein. On se croit. Non, je me bagarre pas, je suis fatigué là. Là, elle, ça se voit, elle se tape comme un homme. Ça se voit, elle met des gros. Ah, ok. Pour que vous arriviez à faire ça là un peu, faites ça comme ça avec vous-même pour voir. Là, comme ça un peu, comme ça. Ouais, voilà, ok. Maintenant, montez dans le camion pour voir. Lève. Prends les pauses, Piou. Vas-y, va dans le camion. Avec les... Vas-y, on se bat. Le promoteur, il a perdu. On va faire quoi? En gros, le plan c'est qu'il y a des mecs qui vont arriver et vous allez les braquer avec nous, ok? Quand je dirai le mot crocodile, tout le monde sort. Et pointe, vous faites semblant de pointer une arme. Vous pouvez ouvrir de l'intérieur ou pas? Toi t'as une arme toi ou pas, va dire? Ouais. Eh, regarde ce qu'on fait. On va marcher. Quoi? On les laisse dans le camion. Essayez de vous masquer, les gars. Ouais, ouais, vas-y. Et en gros, on ouvre, ils les braquent. Nous on les piétine en vite fait avec la voiture. En fait, le plan ça fait toi ouais bon. En fait, le plan ça va être que il va falloir qu'on les fasse ranger leurs armes avant même qu'ils se rendent compte que vous en ayez pas, d'accord? Parce que nous on en a. Nous on en a, donc faut vraiment qu'ils les rangent super vite comme ça au moins. Criez, rangez vos armes, rangez vos armes. Ouvre les portes, s'il te plaît. Et comme ça dès qu'ils ont rangé leurs armes, eh ben c'est bon. Et après vous la famille, vous partez avec le camion, OK? Oh, vous arrivez à ouvrir la porte de l'intérieur ou pas? Essayez de mettre des coups de pied dedans pour voir si jamais ça s'ouvre. Ah, vous avez entendu? Voilà, avec okay, le camion c'est bon, après, parfait. Ok. Ok, on se met ça avec le camion. Ouais. Avec le camion, voilà. Oh, et restez pas sur les côtés du camion parce que des fois on vous entend. Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Attends, viens, je t'ouvre. Et moi, est-ce que je mets lui? Sans ce compte, t'es mort. Mais oui, mais sans. Oh, non. Attends, ouvre. Ok, c'est bon. Parfait, les gars, lourd. Ouais, cousin, c'est qui le meilleur conducteur chez vous? C'est qui? Aiden, tu conduis bien? Ça va, je me dis. Oh, y'en a un qui est collé au mur là, fais gaffe, on t'entend. Cousin, t'as un Guigui ou pas? Voilà, nickel. Ouais, après, les personnes, on les fait monter dans le camion. On attend le dernier gitan là et on y va. Ouais, il arrive avec un Guigui, mon cousin. Les personnes, on les fait monter dans le camion. Non, en gros, le plan, regarde, écoute. Le plan, c'est eux, ils vont. Écoutez-moi! Oh là là, écoute-moi! Oh! Quand ils sont là, dès qu'on dit le mot crocodile, vous sortez. On les fait tous ranger leurs armes et une fois qu'ils ont rangé leurs armes, c'est bon, ok? Ça va, ok. C'est bon? Vas-y, c'est bon, mon boy. Ah. Enfin. Mais pourquoi ils ont un camion? Enfin, les gars, enfin. Pas trop tôt. C'est quoi cette position bizarre, là? C'est quoi? Bah, je me gratte le huc.
Ah mais la, l'endroit là. Ah la position ici, ah non ouais. C'est, je sais pas, on est, je sais pas. En fait on était dans le coin parce qu'on travaille à la pêche. Donc ouais. Vas-y hein, on a fait ça ici directement, tranquillement. Bon, on va ouais. Vous passer l'argent. Non, ouais, moi je leur passe ça. Pas. À la fois on a dit quoi? On a dit rendez-vous sans armes. Il y a des mecs, ils ont des armes encore, ça me casse les couilles. Ouais, mais bon, ouais, ils sont dans les manières. Non, mais... même, c'est bon, j'aime pas. À la fois on a dit quoi ce soir? Bah oui, on a dit quoi ce soir dans la fois? En fait, j'essaie d'être dans la confiance, mais là la petite pause, je t'avoue qu'elle m'a pas mis en confiance. Bah frérot, nous aussi on prend des précautions. Ah ouais, c'est normal. Comprenez-nous les gars. Après bah, ce que vous avez fait hier. Regarde, vous restez armé derrière. Et non, 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 c'est bon, wesh. Eh, hey, on est trois là. Arrête de faire des trucs, vous restez armé derrière. Eh bah, tu sais quoi, je te passe pas l'argent. Eh bah, tu sais quoi. Tu vas me passer l'argent et on va rester armé. Ben non. Non, les frères, calmez-vous, les frères. Non, je vais chanter du Nas pour vous détendre. Polo crocodile, lunettes. Polo crocodile. Non, baisse ta main. Baisse. Bouge pas. Voilà. Non, toi aussi, petite pute. Petite salope. Allez, va avec les autres. Ils ont même pas d'armes, bande de fils de pute. Allez, mettez-vous contre le mur là-bas. Allez, contre le mur. Ils vous braquent avec des doigts, bande de bouffons, les oranges. On les a baisés. Allez, pique le mur. Allez, les oranges. Putain, mais vous êtes cons. Vous êtes trop cons. Regardez, ils ont même pas d'armes. Ça, la confiance. La confiance. Il y a que 3 regarde armes. Regarde James, c'est le plus drôle, miskin. Une bande de mimeurs. Des billages. Qu'est-ce qu'il y a, Soso, là? Enlève ton masque, toi. T'es le chef, toi? C'est moi, enlève le chef, ton masque, enlève ton masque. Ouais, enlevez vos masques, même toi, la casquette. C'est bien, les gars, c'est bien. C'est quoi ça? Vous êtes sûr? Ouais, je t'explique, regarde, nous c'est une nouvelle équipe, tu vois. Je te présente directement notre chef, hein, Idriss, qui va nous présenter, ouais. Qui va présenter notre nouveau gang. On vous déclare la guerre aussi. Vas-y, Idriss, je te laisse. Vas-y, dis-leur, on est qui? Vous cassez les couilles, les gars. Hier, vous avez fait un truc de fils de pute. Et c'est dommage pour vous, parce que hier, on allait vraiment faire du business et tout avec vous. Crash à coup, crash à coup, Idriss. Crash à coup, mon petit ref. Ah ouais, je pense à coup. Ouais, crash, va cracher. Je leur même dessus là sur eux. Et bref, du coup, il y a ni d'armes, ni d'argent, ni rien du tout. Vous aurez rien. D'ailleurs, vous dans la vie, tu peux te faire baiser. Donc là vous nous baisez là. Ouais, on est d'accord. Ouais, on non, mais donc là, pour nous coups, on va encore vous chasser, on va encore devoir. Mais tu vas rien chasser du tout. T'as vu là ce qui va se passer, c'est... Hey, écoute, James, écoute. Vas-y. Tu vas faire comme t'as fait là, tu vois, cette dernière semaine, quand t'as pris ton Desert Eagle. Vous allez raser les murs. Et rien, quand vous nous croisez, vous levez la main, vous dites bonjour. Ouais, les Brabus, bien. Bonjour, Bader. Ensuite, vous baissez la main. Après vous partez, vous niquez vos mères dans votre quartier là. T'es qui toi? T'avances pas trop, moi je suis Bader moi. Recule. Je suis Bader moi. Derba pour les intimes. Écoute Bader, je sais pas pour qui vous vous prenez mais faut comprendre qu'au bout d'un moment c'est pas en nous braquant avec vos doigts que... Ferme ta gueule, on te prend pour des putes. Ça c'est un doigt ça? Ça c'est un watt ça? Et ça c'est un watt ça aussi ça? Ça c'est un watt ça aussi? C'est vos armes, c'est bon. Mais en fait je trouve ça dommage parce que bon on allait s'arranger quoi. Ouais, c'est vrai, non, franchement, je suis d'accord, quoi. Ouais, c'est dommage. Les couilles, James. C'est dommage. On te baise, James, t'as vu? Toi, on te baise, on t'a pris ton arme. Et voilà. Maintenant, pour hier, ils vous ont fait du sale ou pas, Idriss et Selan? Ah, ils ont fait les putes. Ouais, ils ont fait les putes. Ils nous ont fait un vieux plan. Eh, regarde, Bader. Ils nous ont fait un vieux plan, vous ramenez de la drogue, vous la mettez dans une voiture. Ils étaient 8 dans une voiture, ils sont sortis du coffre. Frérot, ils nous ont ramené sur une cascade. Moi, en plus, je sais, j'ai le vertige, Bader, j'avais peur. Ouais, même moi j'ai le vertige en plus. T'as vu? Putain, c'est ma phobie. Ça veut dire, eux ils nous ont mis sur le bord d'une cascade, ils voulaient nous balancer. Donc là, il faut les niquer quoi. Non, je pense que ce que vous comprenez pas. Lève-toi. Ça, tu te poses toi? Lève-toi, avance. Tu veux juste les choses correctes hier, là vous voulez qu'on s'encule, mais on va s'enculer les gars. Bande de fils de pute. L'histoire devait se terminer aujourd'hui, les gars. C'est n'importe quoi. Bande de fils de pute. Bande de fils de pute. Jacques nos couilles. Toi, James. Tiens. Je vais faire la guerre au Brabus, bande de fils. Chef, repars là-bas, là. Repars là-bas. Allô. C'était pas la bonne idée. Ouais, Abel. Chef Idriss, on leur fait quoi? Abel. Tabasse, qu'est-ce qu'on fait? On part. C'est con. Allô. Oui. Pas tout. Ouais, la balasse. Ah, mais ouais, mais hier vous avez trop fait des mecs en fait. Moi vraiment je voulais faire. Bah vas-y, rappelle-moi plus tard, je suis occupé. Non, j'ai pas le temps. Quoi? Oui, je la connais. Ok. Ferme ta gueule, je parle avec toi ou pas? Non. Non, ferme ta gueule, il parle. Ouais, voilà. Écoute, comment je t'appelais déjà? Idriss. Eh, recule, on t'a dit arrête de faire le chef ici, toi.
Voilà, reste à ta place. Hier, on a voulu faire les choses bien. Là, on va s'enculer, on va s'enculer. D'accord, très bien. Mais on va pas s'enculer. Répète qu'on va s'enculer. Je te tire dessus maintenant, petite pute. On va pas s'enculer, on est des grosses. Déjà, toi, t'encules personne pour commencer. Mais là, toi, tu m'encules. Là, tu t'encules juste toi avec ta vieille coupe. Là, ta teinture éclatée. C'est ton honneur que t'encules. Ta vieille couleur, le orange, c'est quoi ça? Pourquoi le orange? Pourquoi? Explique-nous un peu, pourquoi le orange? Pourquoi? Parce que c'est quoi votre background là? C'est quoi votre histoire? Ouais, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire du groupe? Vas-y. En gros, tu veux que je te raconte l'histoire du groupe? Vas-y, raconte. Ouais. En gros, les oranges, à la base, c'était moi et Amir qui est par terre là. Eh, on s'en bat les couilles, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est non, bon, attends, vas-y, moi je saute, saute l'étape, mais juste je veux savoir pourquoi le orange, la couleur orange. Bah, je sais pas, on était burger. Ah ouais, mais. Ah, c'est juste les gens, ils nous appellent comme ça. Eh, ferme ta gueule, toi, on t'a parlé à toi? On t'a dit d'ouvrir ta gueule ou pas? C'est mémotechnique. Eh, Lala, nique-les, frappe-les, Lala. Attends. Vas-y, Lala, régale-toi, Lala. Continue mon blast. Peux récupérer leur bijou. Va les niquer. C'est bon, c'est pas un blast, c'est une onomatopée. Vas-y, va les niquer. Sérieux, lui là? Vas-y, Lala, ouais. Lala. Oh, et toi, lève ton cul là. Lala, bon, je pense qu'ils ont compris, non? Vas-y, prends leur bijou. Tu vas en faire quoi de... Tu veux pas leur péter une arme? T'avais pas dit que je voulais leur péter une arme? T'as une arme pour nous, James? Non, n'abusez pas, allez. James, attends, pousse-toi, James. T'as une arme sur toi, là, James, là, ou pas? Arrêtez. Vas-y, fais voir, pousse-toi. Moi, je vais prendre l'arme à James, moi. Je vais faire une collection. Eh, James, regarde. Regarde, James. Attends. James, je vais faire une collection de toutes tes armes, moi. C'est tout ce que je veux faire. Je vais les laisser chez moi, je les expose. C'est mon arme. Non, c'est la mauvaise idée, ça. Les gars, c'est vraiment la mauvaise idée. Vous avez pris deux armes, on oublie ça, merde, c'est fini, allez. Menteur, des gros. Bande de salopes, voilà. C'est fini. Voilà. C'est fini ça, mais allez, on arrête. Écoute, dites-le en cœur, les bras bus. Recule, petite pute. En cœur. Vous le dites, les bras bus, vous êtes les boss. Et vous, pourquoi bras bus? Ferme ta gueule, dis-le. Je viens de notre famille, comment ça? Arrête, quoi, bras bus, c'était juste. Ferme ta gueule, allez, dis-le. Regarde. Je fais le décompte jusqu'à 3 et vous faites les bras bus, on est les meilleurs. 1, 2, 3. Les oranges, on est les meilleurs. Tu veux que je te tire dessus? Tu veux que je te tire dessus? Arrête. Allez, dernière chance, sinon je tire. 1, 2, 3. Les bras bus, c'est les meilleurs. Encore. De salope, voilà, encore. Encore! Les bras bus, voilà! Voilà, bande de putes! Voilà, bande de putes! Qu'est-ce qu'il veut? Bon! C'est bon? James, t'as entendu, t'as dit les bras bus, nanana! Non, mon ref! Bon, c'est fini la mascarade là, ça y est? Eh, va contre le mur, toi, on t'a dit, arrête de faire le chef! Ah là là, tu sais quoi? Non, c'est bon, moi je pense que c'est bon, non? Ouais, c'est bon! Vas-y, Soso, tiens, petite salope! Ah, tu te défends! Bon. T'as vu, je voulais pas enfumer, hein, les gars, désolé. Tranquille. Ok. Vas-y, bienvenue, vas-y. T'es sûr, on lui prend pas une arme parce qu'il a fait le zeb quand même, hein. Non, c'est bon. Tu vas prendre leur honneur. Vas-y, les gars. Comprenez bien, les gars. Nous, on va garder les armes, on vous donne pas d'argent, on vous donne rien du tout. Et puis c'est comme ça. Vas-y, prenez le camion, les autres. Merci, beau gosse. Monte, sac poubelle. Vas-y, tiens, attends. Hop, je vous jette vos armes. Attends, j'ai pas encore jeté. Vas-y, jette. Et hop, c'est bon, c'est jeté. C'est bon. Je suis capé. Moi, je vais tester son. Yo, Jamie, t'es où, man? Sans quoi? Ah, t'es là? Il est là. Ah oui, il est là. D'accord. Ah, vas-y, Jamie, ça fait longtemps. J'ai déjà vu, j'ai déjà insulté, je crois. Ça va, mon pote? C'est le vieillard et tout, je me rappelle. T'es pas là, Bader? Non, ça. T'as vu, j'ai perdu du poids comme tu m'avais dit. Ouais, j'ai besoin de nom, je crois. Oui, aujourd'hui j'ai monté les escaliers et j'ai pas pu l'ascenseur. Bah, moi aussi, il me dit quelque chose. Deux. On l'a pas déjà insulté, lui? Bah, tiens, venez, je vais te présenter mes amis. Ils sont gentils. Du coup, c'était pour ce que tu m'avais proposé, man. Bonjour. Ouais, salut. Salut Jimmy. Comment ils vont les jeunes? Ça va et toi? Tu peux parler un peu plus fort, Jimmy, s'il te plaît? L'ancien? Ouais, ça va. Super. Hey, toi, je t'ai croisé tout à l'heure, non? Fais du skate, toi? Ouais. Sûrement. Ouais. Oh, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut, Gratubide?
Je cherche un pétard, enfin plusieurs pétards si tu en as voir. Tu m'as dit que tu pouvais m'en vendre, mais je savais pas les prix. Ouais, écoute, j'ai peut-être un pétard là. Mes collègues, c'est pas d'avoir plus. T'inquiète. Ah, moi, je les connais pas, tes collègues. Ah. Ouais, mais les amis de mes amis sont mes amis. Oui. Ouais, c'est vrai. Plus, eux, ils aiment la moto comme toi. Ouais. Ah bon, vous voulez en bécane ? Comment ? Vous voulez en bécane ? Ouais, on fait de la bécane, ouais. Ah, c'est cool. Vous voulez en quoi ? Harley Davidson. Ah, Harley Davidson. Ça, c'est des bons jeunes, ça. Ouais. Tu vois, ouais. Tu peux faire confiance. Et moi, tu me fais confiance. Tu vois, je t'ai pas mis ça à l'envers de toute ma vie. Tu vois, ouais, c'est vrai. Même pour le labo, tout ça, tu vois, je t'ai pas harcelé. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais du coup, tu pourras me dire le prix d'un pistolet. Je sais pas, combien tu serais prêt à claquer pour un pétard, là. C'est quoi ton prix, là ? 5000 dollars. Toi, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Mais attends, juste Jimmy... Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Jimmy, les armes que tu vends, là, c'est quoi ? Ça vient d'où et tout ? C'est quoi le... C'est une arme qui va parteler, là. Quelques temps. Ah, ok. Ça sert plus trop, tu vois ce que... Ouais, c'est une arme ancienne, tu veux t'en débarrasser, quoi. Ouais, en quelque sorte. Mais t'as pas de contact pour en acheter plus si jamais y'a besoin, quoi. Actuellement, non, là, je peux pas trop t'aider sur ce coup-là, là. C'est quoi comme arme ? Ouais, c'est un petit 9mm, quoi. Un Beretta, genre ? Ouais, Beretta, ouais, c'est ça. Ben, sachant que ça... Quoi, ça faisait longtemps que tu l'avais ? Ouais, ça fait un petit moment que je l'ai, mais elle est nickel, hein, attention, je prends soin de mes affaires, moi. Oui, mais bon, ça fait combien de temps ? Ouais, ça fait un bon petit moment, quoi. Genre, c'est en bon état, je te garantis. Ben, on peut te la prendre 20 000, genre, 20 000, c'est bien. 20 000 ? 20 000 balles. Bah ouais. C'est bon pour toi ? Franchement, c'est pas mal, hein, moi, je trouve. 20 000 balles pour un pétard ? Bah ouais, un vieux pétard. Non, mais attends, quand je dis vieux pétard, ça fait pas si... Il est pas si vieux que ça, bah, dis-nous le prix. Combien ? Nous, on sait pas, nous, combien ça coûte. 50 000, il est à où, d'accord ? Vas-y, 40. On coupe la porte en deux, 40, et comme ça, tout le monde est content. 40, ce serait vraiment cool. Écoute, 45, et j'essaie d'en avoir peut-être des autres, tu vois. Vas-y, 45, c'est bon. Ça roule. Tu l'as sur toi, là ? Ok, super. Je vais le chercher, bougez pas. Eh ben nous aussi on va chercher l'argent et on bouge pas. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, on revient ici. C'est le roi de la négociation. Mais attends, c'est un pétard de fou ça. Attends. Ah ouais, lourd. Ça va ? C'est ça ? C'est cette arme là ? Non, c'est pas celui-là. Ah. Il est dans le coffre. Ok. File-moi le fric. Ouais, mais attends, parce que imagine, il est pas dans le coffre. T'as une arme en main, moi j'en ai pas, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi il me saute sur mon coffre, celui-là ? Il est fou, quoi, celui-là ? Oh, qu'est-ce que tu fais dans mon coffre, là ? Oh, Jimmy ! Bon, vas-y, tu sais quoi, regarde, je vais te faire confiance. Je vais donner l'argent, mais le truc, c'est que si... Elle y est dedans ? Ouais, c'est bon, elle est dedans. Ouais. Tiens. 45, c'est bon. Tiens, champion. Je te remercie. Pas le con, Jimmy, pas le con. Bon, si jamais j'arrive à retrouver quelques trucs, je passerai par l'air du mid, d'accord ? Carrément. Jimmy, t'as mal dans la tête, t'as bu de l'alcool, yo. Qui boit ? Oui. Arrête de déconner, c'est très bien que j'arrête ici, conneries. Ah. Je suis en train de me repentir tout doucement. Et ça, la stamp que t'as dans les mains, tu la vends pas ? Ah, je la vendrai, mais pas pour le moment, d'accord. Ok. On peut être tes clients prioritaires si jamais ? Ouais, mais j'aimerais bien savoir avec qui je travaille. Ben avec, je m'appelle Célian, mon frère il s'appelle Bader et l'autre petit frère il s'appelle Idriss. D'accord, ok. Voilà. C'est mon numéro. Ouais, carrément, vas-y. Allez, 3337, c'est mon numéro. Vous savez pas où me trouver, je tatoue quelque temps à Vespucci ou à Vaidrou. Ok, de toute façon je t'appellerai si jamais il y a besoin. Ouais, d'accord. Okay, et Jimmy, tu parlais de labo tout à l'heure avec Lamar. T'as toujours c'est de l'histoire. Ah, c'est fini. C'est fini tout ça. Ok, ça marche. Pourquoi ? T'es branché quoi, toi ? Non, parce que... Non, comme ça. C'est 33-37 ton numéro, hein ? Ouais, 33-37, ouais, exactement. Ok, ça marche, merci. Ok. Non, parce que nous, on avait un peu de mettre, mais il nous fallait... On sait pas comment faire pour la mettre sous pochon, la vendre et tout, tu vois. On peut mettre 10 minutes à ceux qui ont lit 36, parce qu'il y en a un qui a lit 36 et ils ont tous suivi pour rien, okay. Genre. Ouais, si jamais t'as des trucs, n'hésite pas à me dire. Ouais, t'inquiète pas. Merci Jimmy, t'es un bon. Ouais, fais gaffe à fou les jeunes, d'accord. Vas-y, ciao Jimmy. Un bon, un bon. C'est un bon Jimmy, merci.
Et je laisse pousser encore. Señores, ça va mon ami? Quoi les amigos? Tu vas bien? Ça va papa Chango? On a failli attendre. Pardon, mais parce que regarde, viens voir le coffre, comme tu vas être content. Regardez ce qu'on vous a pris. C'est quoi ces coupes de cheveux là? Bah ça a poussé, ça fait que pousser. Putain. Un vrai péricognon, t'as vu la petite chemise à fleurs, tout ça? Eh ouais, on s'est dit. Parce qu'hier on a eu chaud. Quoi là-dedans alors? Oh, regarde, dis-moi si je te régale. Oh, des bouteilles d'eau, oh, des parapluies. Juste les munitions du truc que tu nous as dit, ça on n'a pas trouvé. Mais sinon, tout le reste, on a trouvé plus du bonus. Et tenez, le petit cadeau, la cerise sur le gâteau, comme on dit. Et tout, il croit des putains. 5 magazines Playboy pour Spougnette. Qu'est-ce? Pour bien se branler, chef. Regarde, il y a des femmes là-dessous. Voilà. Regarde, des femmes d'États-Unis. Attends, montre. Ah oui, d'ailleurs, parce que vous le connaissez pas, ça du coup, c'est mon ref Bader. Celui que je vous disais qui était pas là hier. Bader. Voilà. Un nombre de combien? Oui, c'est mon frère jumeau. C'est bien, très bien. Ils sont le gringo, mais... Ils très bien. Le gringo. Si c'est mon frère, c'est ton frère, papa Chango. Ouais, c'est mon frère. Oui, bien. C'est mon frère. Par contre, va falloir qu'il monte sur les genoux de quelqu'un s'il veut venir. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais on a des petites choses à faire aux États-Unis d'Amérique. Pas venu pour rien. Tu vois, il y a mon petit joujou là. Ouais. Il y a besoin de trouver beaucoup les munitions pour ça. Ok. T'avais un armurier ici aux États-Unis? Alors, il y en a un, mais est-ce qu'il est ouvert là-dessus? Tu veux que je me renseigne? Oui. Voilà, papa, qu'est-ce que... Oui, on a des petites courses à faire. Madre de Dios. Qu'est-ce? Je vais envoyer quelqu'un voir s'il est ouvert, oh, d'accord? Papa Chango! Eh? Ouah! Oh putain! Qu'est-ce que c'est de merde? Vas-y, fais-moi essayer. Ça va vraiment trop vite, regarde. Putain de... Oh putain! Allez, ouais, faites-vous plaisir, putain, les gars! Oh putain, de putain! Oh Dieu! Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Voyons! Oh, eh là, faut payer là! Oh! Arrête. Je rigole, je parle doucement. Ça va trop vite! Bande de sales fils de pute là, la voiture. Y'a pas quelque chose qui va moins vite? Comment ça? Pardon? Y'a pas une voiture qui va moins vite? Non, là on a pas. Hein. Il nous a dit que l'armurerie a été fermée là, il m'a envoyé. Du coup, compliqué. Est-ce que tu me montrerais où est cette armurerie? Ouais, je pourrais y revenir de moi-même. Tu veux qu'on ait un hélicoptère? Si. Si, on peut. Vraiment. Allez, c'est parti. Vamonos! Vamonos. Tu t'assois sur là où il y a la mitraillette, Bader? Non, je vais faire une dinguerie après. Si, allo? On va mettre un peu de musique. Ah non, attends. Attends. Oh, c'est qui? Allo? Raccroche. C'est qui là? Raccroche, c'est Céliane, mais raccroche frère. Pourquoi tu m'as appelé? J'ai pas fait exprès, raccroche! Non, c'est pas Céliane, c'est quelqu'un d'autre. Merde. Attends, c'était Diego. Putain de Diego. Toujours en train de. Essaye comme ça. Comme ça? Comme ça alors. Ah. Attends. Ah non. Bah, même pas comme ça, attends. On avait pas prévu que vous auriez un troisième. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, je crois. Perfecto. Si, allo. Si, princesa. Si, je vous entends. Retirez le point de GPS, je vous le mets. Que passe, s'il vous plaît. Oui, bien. Perfecto. Perfecto. Oh, il se passe quoi, là? Buenas tardes, señor. Hola, gringo. Wow. Que passe, gringos? Gringo. C'est le problème, gringo. Non, bonsoir. Comment tu vas, amigo? Ça va. C'est toi qui gères cette modeste shop? Non, je voulais que j'appelle mon patron. Si, il y aurait besoin de beaucoup de munitions. Si, on a besoin de munitions pour Caio Perico. Si. Ouais. Et dépêche-toi un peu, s'il te plaît. Oui, ça fait longtemps, là. Je suis en train de mettre toxiqué. Mais ça sert à rien, ce merde! Les gars, patron, viens vite Amination. Viens vite Amination. Quel est ton nom, Modeste et Chopier? Bon. Oui. M'appelle Lacrysomike. La quoi? Lacrysomike. C'est ton prénom de gringo?
Ah, il a dit qu'il voulait un McDonald's. Non, moi, on m'appelle Marlon, mais ça, c'est un McDonald's. Un McDonald's. Un McDonald's. Venez, messieurs, venez, entrez. C'est vieux blast. On l'avait pas déjà niqué, lui ? Un McDonald's. Qu'est-ce que ça ? Regarde, il fait bien l'américain, il veut un cheeseburger. Entrez, messieurs, vous êtes les bienvenus, entrez. Oh, comme c'est joli, waouh. Allez, va prendre ça. Regardez-moi cette merde. Oh putain. Putain de roi de puta. Ouais. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Monsieur, pas à l'arrière de la boutique, s'il vous plaît. Comment ça s'appelle, ça? Alors, c'est un sniper MK2 série 9. Qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Putain de merde. Seconde Guerre mondiale, je pensais pas que ça existait, hein. Ouais, c'est vrai que c'est une belle machine, ouais. Et ça, c'est quoi? Vient de... Alors ça, c'est un fusil amélioré qui a été servi durant la guerre civile. Il y a... comment il s'appelle? Le suceur, là, comment il s'appelle? Galerio, il vient de m'envoyer un message à une photo comme quoi il a... à Caio. Ouais. Il m'a dit, ouais, maintenant, je fais du business avec Caio. Il se passe quoi, les gars, là? Comment ça, il se passe quoi, les gars? Au calme, faut rentrer. C'est vous l'armurier? C'est à l'intérieur. Vous avez des clients, vous avez des clients. Non, mais... non, mais c'est un client qui vient en écho d'attaque. Bah, allez voir. C'est des gros, c'est vraiment des gros. Allez-y. Gouvernement, tout ça. Il t'a envoyé enfin, quoi? Bref, et voilà, comme quoi il fait du business avec eux, et après je lui ai dit me raconte pas ta vie ou un truc comme ça, et il m'a dit cabron, faudra pas venir sucer pour la coca. Donc je sais pas si en mode il est avec eux, ou alors eux ils vont avoir de la coca. Il nous a devancé. Ouais, je crois. Ok. Vas-y, viens. Au fond à gauche, au fond à gauche. Il y a le descente, c'est quoi? Y'a quoi? Il m'a braqué, là. Mais Borgé, arrête. Je travaille ici. Arrête. On vient de Cayo Perico, señor. Pas de propos, pourquoi vous énervez? Attendez, messieurs. Messieurs, on va se calmer, messieurs. Vous faites flipper. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, juste, on a vu un hélico avec des grosses armes atterrir, on a cru que notre gars il se faisait braquer et nous on travaillait sur. Si les Américains ils ont pas l'habitude, colonel. Je suis militaire. Et écoutez-moi bien, nous venons en paix. Nous on aime les cheeseburgers. Starbucks coffee. Si, on aime beaucoup les cheeseburgers. Les Vagos, c'est fils de pute, ça veut dire ils sont déjà Cayo Perico. Ah bah là on peut parler là. Toi des munitions, il croit des putains. Je parle au téléphone et je suis venu là. Les Vagos ils sont déjà Cayo Perico, ils ont envoyé un message à Galerio, il a envoyé un message à Idris. Ils ont dit comme quoi ils étaient en train de parler pour la cocaïne justement, c'est à dire ils nous ont devancé là. Ça va vraiment falloir être ça pour leur montrer que c'est par nous qu'il faut passer. Ouais, qu'il faut, ouais. Gros, faire en sorte qu'ils nous fassent confiance en eux. Vas-y, hein. T'as capté. Par contre, c'est pas une blague, hein. Ouais, par contre, c'est une blague, hein. C'est bon, est-ce qu'on peut avoir des munitions? Et on veut la munition. Malheureusement, non. Y'a des pas de temps à perdre. Je pense pas que ce soit du bluff parce qu'il y avait une photo. Allô, messieurs, malheureusement, je peux pas vous donner de munitions si vous avez pas de paper. Ah putain. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce tiro de putain? Est-ce qu'il va être obligé de le braquer, soigneur? Mais c'est, comment ça marche? Je comprends rien, mais pourquoi des permis? Des permis de raconter. Il a fait la révolution. Il y a tous les permis qu'il faut demander à une présidente. Il a fait porter toutes les armes. Vous voulez qu'il appelle la princesse pour demander? Il demande à lui. Le président de votre pays ou d'une autre? Mais la présidente. Le président qui existe. Allez, cassez-vous de chez moi là, les petits gamins. Là. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Que se passe-t-il? Venez chercher la bonne munition. Colonel. D'accord. Et... rangez votre armement, s'il vous plaît. C'était quoi ici? Excusez-moi. Pardon. Mais on est la milice du président. On va ranger nos armes. Après, on va être en danger. Il est où votre président là? Il est pas sur le territoire, je crois. Si, il est sur le territoire. Voilà, donc rangez votre arme. Donc rangez votre armement. On va vous demander de ranger vos armes, s'il vous plaît. Seigneur Chapman, avec un petit peu de politesse, peut-être qu'il pourrait m'exécuter, mais je vous avoue que j'aime ça un petit peu. S'il te plaît, colonel, pourrais-tu ranger ton arme à feu? Vous venez de faire une entrée
vous venez de faire une entrée sur le terrain. Parlez plus fort, Chapman. Tu as envie de me provoquer? Tu veux que je t'amène derrière et que je te foute mon PKP au fond de ton trou de cul, roi de pute? Wow. Chapman, tu chuchotes, Chapman. Ça fait rire, gringo de merde. J'entends rien ce qu'il dit. Monsieur le colonel, s'il vous plaît. Eh, je vous écoute, Chapman. Ah, c'est le monsieur, c'est le seigneur Chapman, c'est quoi le président? Vous êtes le président de ces lieux? Je vous explique ici. Le président de gringos. Et à Los Santos, nous appliquons les règles des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que je dois faire alors? Les armes, nous n'avons pas le droit d'avoir des armes. Sans licence, sans licence spécifique délivrée par le gouvernement. C'est compliqué chez vous les Américains. Oui, c'est très compliqué justement. Et étant donné que vous venez d'un autre pays, vous avez eu un visa d'ailleurs. Si. Très bien. Mais alors, le visa ne vous autorise pas à venir acheter des munitions ici. En fait. Alors. Comment je fais pour prendre des munitions pour mon joujou? Regardez, je l'ai appelé. Alors, c'est un très très beau joujou. Mais on va vous demander de ranger votre joujou, de le ranger. C'est un très bel achat. Félicitations. Mais vous pouvez pas vous balader avec aux États-Unis. Et d'accord, Seigneur Chapman. Regardez, je le range. Hop là. En tant que colonel. Est-ce que je peux sortir mon revolver? Non, non plus. Montre-le à la caméra, montre-le. Chapman, il y a des caméras. Monsieur le colonel, quand vous venez officiellement avec une escorte policière, etc., nous vous délivrons automatiquement ce que nous apprenez en tant que simple citoyen de Cayo Perico. Qui n'ont pas sous vos fonctions de colonel de Cayo Perico. Oui, bien. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, Chapman pour Central, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Seigneur Chapman, il y a besoin de munitions pour mon gros joujou. Est-ce que vous pouvez me donner ce qu'il me faut, Madre de Dio, et après je rentre à Cayo Perico. On peut pas, parce qu'en fait, il vous faut des autorisations pour pouvoir acheter des munitions sur le sol américain. Vous êtes le président des Américains? Non, vous êtes je ne suis pas le président Chapman, des Américains, je suis le chef de la police. Moi, mon boulot, c'est d'arrêter les gens qui sont, disons, qui fraudent la loi ou qui font des délits ou des crimes. Et quand est-ce que vous torturez les rebelles dans tout ça? Ah oui, c'est vrai, je voulais aussi écrire. Mais en fait, utiliser une arme aux États-Unis, l'utiliser juste sur soi sans avoir de permis, c'est un délit, en fait, aux États-Unis. Délit? Voilà. Et alors, bien sûr, je vais pas vous arrêter, monsieur le colonel. Si. Mais si, je voudrais peut-être bien me faire arrêter. Comment ça se passe aux États-Unis? Non. Arrêtez-moi, Madre de Dio, je vais aller en prison. Tu peux venir, s'il te plaît. Oui, pardonnez-moi, monsieur le colonel, j'arrive tout de suite. Oui, bien, reprenons les activités. Ouais. Colonel. C'est bon, c'est dans la boîte. Oh, moi, vous me foutez, s'il vous plaît. Moi aussi. Ouais, vous inquiétez pas. Et l'autre aussi, avec la chemise orange. Principal. Moi, t'as intérêt à me flouter. Qui êtes-vous? Dites-moi. Tiens, ensemble, bah, t'as pas besoin de savoir qui on est, puisque tu vas nous flouter. Salut, Seyon. Ça va? Putain, pas de soucis, pas de soucis. Ramène-toi, oh, le suceur, et moi, tu dis pas salut, fils. L'autre suceur, il a dit, il allait parler en mal sur nous là-bas. Ok. Moi, c'est Idriss. Toi, c'est Idriss. Et toi, c'est Bater. Ouais. C'est ça ouais, moi, c'est Bater. Okay. Il aime bien prendre son pain un peu. T'es grave lent. Oh, floute, n'oublie pas. Allez, on y va. Je vais flouter, vous inquiétez pas. Eh, floute, nous. On arrive. Petite merde. Ouais, c'est ça, enfoiré. On arrive. Vous êtes où là? Dis-moi, Seigneur, vous avez des permis pour tout aux États-Unis d'Amérique? Attends, et du coup, nos cadeaux, on les prend pas? Si, on va prendre des cadeaux. Si, vous les prendrez plus tard? Ouais, vous les récupérez là. C'est bon, vous les récupérez plus tard. Et vous les récupérez après. C'est bon, t'inquiète, vous les récupérez plus tard. Parce que là. Et en fait, on les a pris, tu les as mis dans l'hélicoptère, je crois, Célia. Ah ouais, peut-être. Ah oui, t'as pris le Kaba, le gros Kaba que j'ai pas pris. Parce que Papa Chango, comme je disais à ton collègue, le truc c'est que là pendant ce temps, il y a d'autres gens qui parlent avec le cartel, des gens qui travaillent moins bien que nous, tu vois. Du coup, ça en train de nous devancer là pendant que nous on fait des cadeaux. Le temps, on n'a pas le temps pour le temps. Si, là il y a un groupe là qui s'appelle les Vagos. Apparemment ils sont là-bas, ils sont en train de parler là. Los Vagos. Ah, c'était le cogno qu'on a fracassé. Oui, on a vu le cogno. Ah, c'est. Ah, mec, tu connais. Oh, ça dit quelque chose, Galerio? C'est lui qui est venu, on lui a fait une petite frayeur. Un petit suceur lui. Ah, ouais, c'est vrai, vous l'avez fait quoi? Je l'ai mis dans ma caserne. Tu sais, il avait fait le Marion avec moi hier. Ouais. Il l'a mis dans ma caserne. Ah, en fait, il nous a menti.
Ah mais oh, parce que lui il dit que c'est que vous êtes ses potes, que vous lui vendez plein de drogue et que il vous gère et tout. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il nous a dit ça, nous c'est pour ça nous on s'inquiétait. Vraiment, ils comprennent pas qu'ils ont affaire ici à Cayo Perico. Ils savent pas, mais bientôt ils sauront. Ils doivent faire un état, amigo. Ils doivent pas faire un petit cartel ou je sais pas quoi. C'est pour ça, les gars, faites attention qu'ils vous ramènent sur votre île. Il y a plein de gens mal attentionnés à Los Santos. Bah, c'est pas moi qui choisis. Hijo de puta. Bah, tu veux pas essayer de te garer bien? Ah, il est trop fumé, il est trop fumé. Ah, attends, il va reprendre mon arme. Ah, de retour à la maison. Qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Bah, nous présenter au cartel. Non, on va aller voir. Ringo, apparemment, on a une urgence. Vous allez venir. T'es l'urgence, c'était ça. C'est quoi, les présenter au cartel? J'en avais marre de rester dans une putain de ville américaine. J'espère que t'es en train de te foutre de ma gueule, on n'a pas pris des petits cadeaux. C'est bon, il était dans l'hélicoptère. Non, ils sont dans l'hélicoptère. Ah. Salva! Si! Ça va bien? Tu es baisé, hein? T'as vu, ça pète. Viens là. Si, tout est bien, si. Ah. Bon, tout s'est bien passé avec les sauvages? Si, tout est bien, c'est bien passé. Enfin, il y a eu des soucis, mais ouais. Bon. Ah, tout va bien, Enrico? Hola todos. Hola. ¿Cómo está? Hola les amigos. Sí, hola. Garde à vous, quand vous présentez un membre de la police. Oui. Oui, parce que nous on n'est pas des militaires, c'est pour ça qu'on ne savait pas. Exactement. Ah bon, moi c'est Idriss. En jaune, en blanc là c'est Bader, mon frère, et en bleu c'est Liad, mon autre frère. Oui, bien. Ah, ok. C'est moi passer le coup de téléphone. Si. Et les sauvages. Enchantado. Les indigènes. Si. Ils ont fait du beau camp à l'aéroport. D'accord. Si, du coup, là, Diego s'en occupe. Perfecto. Perfecto, perfecto. Et les deux gringos? Il y en a un, ils sont en train de régler son problème parce qu'il veut faire du change. D'accord. Mais le deuxième, je sais pas c'est qui. Vous m'avez dit, il y a deux gringos, mais il y en avait qu'un. Si, il y en a un deuxième, normalement. Il s'appelle comment? C'est le seigneur, je sais plus quoi. Bon, faut qu'on attende. Faut qu'on aille voir, viens, on va prendre un véhicule. Frayez un petit peu nos invités là pendant qu'on fait le tour. Ils sont là pour quoi, eux? Ils sont là pour des affaires. Pour des affaires internes. Ils nous ont donné la radio. Parle un peu plus fort, Papa Chambo. Ils nous ont donné la radio grâce auxquelles on peut parler. Si on n'était pas parti comme des lapins là contre les jambes, on aurait eu beaucoup d'eau et de l'état. Après, sinon, je vous le fais livrer avec Chronopost. Hein. Avec quoi? Chronopost. FedEx. La truc de livreur. Chronopost. Ouais. Ou des payword. Sinon. Comment? Il y en a Cayo Perico. Ouais. Fantastique, madre de Dios. Peut-être, j'en sais rien. Elle est montée, les gringos. Va où toi? Je vais prendre un autre véhicule. Mais toi, Idriss, tu vas te marier avec Gabi ou avec Francesca, toi? Gabi. Mais c'est avec Francesca hier que t'as dit que tu voulais te marier. Mais non, mais en fait, Gabi, elle m'excite plus. D'accord. Ferme ta gueule, toi. Patron! Serre-moi à bord, Tobi, ou je balance pour rire. Si, seigneur. Voilà. Tu m'as dit balance? Fais pas le rat. Déjà, je t'entends même pas, Bilal, le trou de balle. Je sais pas, j'ai. Mais pourquoi l'appeler Mohamed? Et parce qu'il s'appelle Bilal et Mohamed. T'es sûr? Tu veux que balance pour de vrai là? Ouais, vas-y, balance. Nice convert. Je viens avec toi, mec. Vas-y, fort de la région. Pas mal de personnes qui m'appellent. Colonel, je peux vous parler? Ah, Galerio, ça va? Alors, ça marche les affaires avec le cartel, Galerio, comme tu nous as dit? Je n'ai jamais dit ça. Si, tu nous as dit ça, tu nous as envoyé une photo même sur le téléphone de Idriss. Il a dit, je cite. Alors. Moi aussi, il fait du business sur Cayo. Alors, c'est qui le suceur de bit maintenant, hijo de mierda? Sauf que le business que je fais, au lieu de dire de la mierda,
C'est que je vends de la nourriture de mon entreprise ici. Ah d'accord. Colonel, viens, faut que je te parle, s'il te plaît. J'aimerais vous parler de lui, c'est possible ? Je te jure, je vais le faire, hein. Vas-y, je vais voir si... qu'est-ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu vas... Bah, je veux dire ce que tu m'as dit hier, parce qu'apparemment tu fais le mec qui gonfle les pecs. Moi, je t'ai dit des trucs. D'accord. Colonel, j'ai vraiment un truc important à vous dire. Vraiment, il veut me parler de vous. On doit parler. Ah, ok. C'est Liane. Vas-y, vas-y. Je te prie de partir. Y a pas de problème. Bien. Ok, bah parfait, ça fera l'affaire. Attends deux secondes. Allo, amigo. Dis-moi, qu'est-ce que ça? Je te jure. Sonio Non. Soigno, pardon. Comme tu veux. Soigno, ça vraiment, regarde. J'ai aucun intérêt à te dire ça, si ce n'est te dire la vérité. Hein. Ok. Vas-y. Dis-moi. En gros, lui là, il s'appelle Bilel de base. Maintenant, il s'appelle comment, Roro? Il y a, c'est bien. Ok. Si. Bon, de base, j'allais pas balancer parce que je suis pas une balance, mais c'est lui qui veut que je vous le dise parce que apparemment, il tient à se vider son petit sac. Si. Hier, il est venu me voir et il m'a confié. T'es sûr, hein, Bilel, je dis, hein? Menteur. Vas-y. J'ai bien envie d'entendre tes mensonges là. Ok. Bon, ouais, mais ça. T'es vraiment sûr? Ouais, vas-y, parce que tu vas te dire de la merde là, vas-y. Vas-y, parce que moi je t'ai pas parlé même. T'étais moins confiant tout à l'heure, hein? Vas-y, dis. Et ça me fait chier parce qu'ils vont te tuer là. Non, j'écoute. Qu'est-ce que ok, bon, regarde. Comme ça, au moins, je vais même te donner des détails, comme ça, au moins, tu verras bien que je mens pas. En gros, lui et son frère là, Blanco, ok? Ils sont venus me voir et ils m'ont dit comme quoi, apparemment, ils étaient sur un bateau. Et tu m'arrêtes si je me trompe, hein? Parce que je peux pas l'inventer ça. Hein. Ouais, comme quoi, ils étaient sur un bateau qui sont venus à Cayo Perico. Sans contre leur volonté, puisque le bateau il s'est échoué et qu'ils ont atterri ici. Et ça, c'est l'histoire qu'ils connaissent. Tu vois, je peux pas inventer, on est d'accord. Hein. Et que du coup, les militaires d'ici, ils l'ont pris en otage contre leur gré et qu'il était forcé à travailler ici et que dès qu'il pouvait se casser, il les laisse casser. Ils nous ont. Regarde, hein, parce que moi, vous me rendez un service, je vous rends un service. Ils nous ont supplié de monter un plan pour qu'on les fasse partir avec nous. D'accord. Lui et Blanco. Ils nous ont supplié. Hein. Ah ouais, ça bégaye là, ça bégaye un peu là, non? Bah pas vraiment, non. Tu te perds dans tes mensonges là, non? Je trouve. On réglera ça après. Regarde, quoi qu'il arrive, Soigno, j'ai aucun intérêt à te dire ça, on est d'accord, hein? Comment tu t'appelles déjà toi? Je m'appelle Céliane. Est-ce que on est d'accord que j'ai aucun intérêt à mentir sur ça là? Pourquoi je ferais ça alors? Ça n'importe quoi. Tu vas prendre mon numéro. Ouais. On va discuter avec plaisir. C'est bon. Comment ça s'écrit Soigno? La prochaine fois, s'il y a un S-O-E-N-O. Tranquille. C'est bon, tu es prêt à noter? Ouais. 5, 5, 5, 6, 4, 9, 9. C'est bon, 5, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Perfect. Franchement, je suis vraiment désolé de te dire ça. Et même si. Même si c'est pas cool, de base, moi, j'aime pas balancer les gens, tu vois. Mais c'est lui qui. Il m'a poussé à le faire, donc au moins j'ai l'impression qu'il veut revenir sur les bonnes bases. Au moins, j'ai parlé avec le colonel. On comprend rien à ce que tu dis, trou de balle, s'il te plaît. Il dit au moins j'ai parlé avec le colonel avant que tu viennes. Ah. Voilà, bien. J'ai compris. Max, j'ai pris 5 verres sa grand-mère. Elle alcool d'ici. Il est fort. Dis-moi, regarde-moi. Ça va prendre Viva Street. Regarde-moi. Bader. Ouais. Regarde-moi. J'ai bu, chef. J'ai juste bu un peu pour la fête. Regarde-moi dans les yeux. Combien tu as dépensé? Beaucoup, chef. Là, combien? Je sais pas, mais beaucoup. Pas assez, je trouve. Va dépenser un peu plus. Ouf. Bénef, ouais, on va dépenser. Bader, garde un peu les idées claires quand même pour après avec le cartel, s'il te plaît. Tout est clair. Il est tout le temps comme ça. Ouais. Oui, mais. Mais c'est un bon vivant, tout ça, je vais te dire. Ouais. J'aime bien les gens qui boivent et qui fournissent Cayo Perico en pesos. Moi, je boirai après le rendez-vous avec le cartel, je vais garder les idées claires, d'accord? Si, toi, c'est bien. Il y a dans toi, Céliane, une âme de leader. Je pense que. Non, c'est Idriss le chef, C'est Idriss le chef? Ouais. Je le connais pas assez. Celui avec la grosse coupe de cheveux, là. Ah oui, mais tu vois qui c'est de toute façon. C'est bien sûr que je sais. Très bien. Bon, arrivez, c'est bon, tu vas rester là toute la soirée, toi, ou. Quoi? Pourquoi tu me fixes? J'ai l'impression que vous deux gringos avez des comptes à régler. Mais j'ai rien fait, tu vois bien que j'ai rien. Moi je fais rien, moi je suis tranquille. Ouais, aussi on est tranquille. Vas-y, moi aussi je vais me croiser les bras, comme ça, et je vais te fixer toute la soirée. Non mais les deux, vous leur avez fait quoi? Pourquoi ils sont comme ça? C'est notre travail.
C'est normal, ils ont travaillé pour Cayo Perico, pour le président. Porque, vous êtes qui? Présentez-vous. Quelles sont vos ambitions? Alors, moi je m'appelle Céliane. Là c'est mon frère Bader. Ça c'est mon petit frère Idriss. Idriss. Bon, déjà, excusez-nous de base parce que on a fait la fête là, le temps que vous aviez un rendez-vous, j'ai cru comprendre, donc du coup ils sont un petit peu bourrés. Mais rien de fou. Ah bon? Ouais. Léger. Je vais vite faire un rendez-vous. Comment? Non! On n'est pas rebou, la famille, un peu, juste vite faire. Ils ont fait la fête comme à Cayo Perico, on aime bien faire, c'est ça? Mais c'est quoi, vous êtes des junkies là? C'est quoi ces conneries? Non, rien à voir, juste ils ont fait la fête en attendant que vous soyez disponible, quoi, c'est tout. Enfin bref, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça, c'est bon, moi j'ai pas bu, tout va bien. Et en gros, dans les grandes lignes, il y avait Papa Django. Papa Django, qu'on a rencontré à Los Santos, qui recherchait des radios et un petit peu d'équipement pour l'armée, tout ça. Donc du coup, tu m'arrêtes hein, si jamais je me trompe, Papa Django. Hein. Du coup, ben voilà, on l'a aidé. Et en échange, étant donné que nous, on touche un petit peu à la drogue, mais sur Los Santos, ben il nous a dit qu'il pourrait du coup nous faire les présentations avec le cartel, sachant que je pense que vous avez de la meilleure drogue qu'à Los Santos. Donc peut-être qu'on pourrait faire affaire et on vous achète du stock, nous on le fait partir là-bas. Je sais pas comment vous voyez ça, mais. D'abord, va falloir commencer par faire ses preuves. On ne travaille pas avec n'importe qui. Je comprends que si les premiers gringos qui arrivent et qu'on leur fournit notre cam, ça serait trop facile. Après, nous on a l'argent, ça veut dire. L'argent, c'est pas un problème, on n'en manque pas, Seigneur. Ce qu'on veut, c'est travailler avec des personnes de confiance, des personnes efficaces. Tu comprends? Ouais. Donc, moi je suis le secondo. Et mon patron m'a dit de vous dire que. On va se rencontrer dans 2 jours. Et dans 2 jours, on veut que vous nous apportiez toutes les informations sur comment fonctionne Los Santos. Du côté illégal, je comprends. Ah, même ce soir, on les a, hein. On va vous laisser 2 jours, parce que le patron voudra être présent quand on va discuter avec vous. Et on veut absolument tout savoir. Comment on fonctionne, qui dirige. Il est en train de gerber devant chez moi, ce bâtard. C'est quoi ce bordel? Je vais le tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe? On occupe la famille. El cartel. Va gérer. El cartel. Recule, tu empêches. Je m'en occupe, la carte. C'est quoi cette odeur? Franchement, quand ils sont pas bourrés, ils sont vraiment pas comme ça. Écoutez. Vous avez pas l'air sérieux, Seigneur. Mais vous voyez que moi je suis sérieux. Et eux, quand ils sont pas bourrés, ils sont sérieux. C'est juste que. Tu parlais des toubéflés tout à l'heure, ils sont là. Ils sont Non, en gros, c'est juste que là, pendant qu'on attendait, on a gentiment été accueillis au bar et que voilà, ils sont. Est-ce que tu penses que c'est professionnel de se bourrer la gueule avant un rendez-vous avec le cartel? Ben, on nous a vivement conseillé de consommer afin de donner un petit peu d'argent à ceux qui travaillent à Cayo Perico, donc. On sait pas trop quoi faire. Ça veut dire, moi je suis resté le porte-parole, je suis resté clean, mais en même temps, de l'autre côté, il fallait qu'on consomme. Muy bien. Felipe, il y a des choses à rajouter avec les seniors que j'ai peut-être oublié. Non, t'as tout dit. Dit, hein. Ouais, donc en soi, on veut travailler avec des personnes efficaces. Là, j'ai l'impression que, mis à part toi, tes gars sont complètement à l'ouest. Ils sont ivres, et c'est mes frères, et ils sont limite mieux que moi. C'est pas l'impression que tu nous donnes. C'est juste l'alcool, chef. Dans 2 jours, tu vas clair. C'est une insulte, tu vas être choqué. Tu seras content en gros. Tu seras content, quoi. Je pensais qu'ils étaient un peu plus sérieux, désolé. Amigo. Non, mais attends, papa Django. Ils m'ont fait perdre votre temps. Non, pas du tout, papa Django. Tu peux témoigner que quand ils étaient pas bourrés, ils étaient sérieux. Je peux témoigner de rien du tout, Gringo. Je t'amène devant des gens, les gens les plus importants de cette île. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est me ramener une espèce de cognon qui est complètement bourré et l'autre qui va vomir. Oh de putain, qu'est-ce que c'est que ce délire, putain de merde. J'engage ma réputation auprès du cartel. Insultez-moi, je mérite. Mais dans 2 jours, rien à voir.
Hijo de puta, apporte-le là-bas, va lui faire passer l'envie à lui d'être bourré avec ta matraque. Viens aquí, viens aquí. Viens aquí. Apporte-le là-bas, lui. Viens aquí. C'est pas la peine d'en arriver là, hein. Viens aquí. Je pense qu'une bonne correction, hein. Il fera pas de mal. Il abuse, il a pas. Ça va bien. Vous savez devant qui vous êtes ou pas là? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez, putain des miens? On est désolé, je vous dis juste, c'est pas un manque de respect, c'est pas une mauvaise intention, ça a tardé un petit peu pour faire le rendez-vous, ils sont perdus au bar, c'est tout. Voilà, vous aussi des fois vous mettez minable, je suppose, des fois vous aussi vous buvez, non? Pas quand on a des rendez-vous importants, seigneur. Ouais, mais 60% de nos capacités pour. Oui, mais de toute façon, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle, donc c'est pas grave qu'ils soient. Même s'ils étaient bourrés, qu'ils soient pas là ou quoi, c'est pas grave. Là, c'est moi qui parle. Bien sûr, je comprends. Après, regarde. Tu parles, t'as l'air sérieux, t'as l'air. Comment dire? T'as l'air d'avoir la tête sur les épaules, mais. Eux aussi. Je comprends qu'ils font une mauvaise image, on va dire. Une mauvaise première image. Et la première image, c'est la plus importante, c'est moi. Voilà ce qui arrive quand tu manques de respect. Du coup, on va. Comment dire? On va se donner rendez-vous dans 2 jours. On va se renseigner sur vous. On va. Et on attendra des réponses, comme je t'ai dit. Le patron sera présent. C'est bon, tu comprends? Ouais, ouais. Et comme on t'a dit, on veut savoir tout ce qui se passe à Los Santos, comment ça fonctionne. Personne pleure, Castoto. On est bien vu. Là. On discutera peut-être de ton rôle. Bien vu la réflexion. Moi bien. C'est bon. Est-ce que. Bon, peut-être c'est un peu trop demandé, mais c'est possible qu'on reparte pas les mains vides quand même. Comme ça, nous, pendant les 2 jours, on continue à faire tourner notre business. Non, je te mens pas que là, on va rien vous fournir pour le premier soir. Ah ouais, ok. Parce qu'il y aura pas d'accord pour l'instant. On attendra dans 2 jours. Non, mais sans parler d'accord, juste vous l'achetez quoi. On vous achète. C'est quoi, c'est le Père Noël là? C'est pas le Père Noël, c'est du business. Ça veut dire que vous avez de la drogue, nous on a l'argent, on vous achète la drogue et voilà. On travaille qu'à partir du moment où il y a un accord. Ok, mais je vois pas le rapport avec le Père Noël. T'as dit qu'on travaille pas avec n'importe qui. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît, derrière toi? On t'a dit on travaille pas avec n'importe qui, t'as pas compris ou quoi? Mais c'est pas une question de travailler avec n'importe qui, c'est une question d'argent. Une question d'argent, vous voulez de l'argent, je veux de l'argent. On s'en fout de l'argent, tu comprends ou pas? On travaille pas avec n'importe qui. Ah, vous en foutez de l'argent, ok, ça marche. Ouais. On n'est pas à plaindre, quoi. Voilà. Et vous croyez déjà au c'est Père bon, Noël? C'est bon, tais-toi, Idriss. Ça existe même pas. Du coup, voilà, rendez-vous dans 2 jours avec des personnes sobres. Putain, ouais, ça existe et, même pas. On discutera peut-être plus en profondeur de business. Okay. Super, ben merci. Merci pour les 3 heures d'attente pour ça. Ah, c'est le prix à payer. Oui, super, mais parce que vous parlez de comportement et de politesse, mais bon, je vois qu'apparemment, c'est pas réciproque, ça va que dans un sens. Bien. Mais parfait, après si tu n'es pas content du service, je suis super content, je vais libre à toi de venir dans 2 jours. Je râle pas ou il y aura pas de conséquences ou de trucs comme ça, ça change rien, c'est juste que vous nous parlez de savoir-vivre et de respect, mais bon, en même temps, nous, vous nous avez fait poireauter pendant 3 heures, mes frères, ils savaient pas quoi faire, donc du coup, ils ont un petit peu bu au bar et on repart les mains vides sans avoir avancé. Je veux juste vous mettre ça devant les yeux pour que vous rendiez compte aussi de notre situation quoi. C'est après, pas dans deux sens. Ton prénom, c'est quoi? Céliane. Céliane, ouais, Céliane. Moi, je trouve qu'on a pas mal avancé. On a pris contact ensemble. Ouais, on super. On a eu un petit premier rendez-vous. Mais pas la charrue avant les bœufs. Dans 2 jours, tu reviendras avec ce qu'on a besoin. On aura peut-être ce que t'as besoin. Moi bien. Ok. Et je peux t'assurer que il y a peut-être de l'attente. Mais si on décide de travailler avec vous, vous verrez que la cargaison qu'on a, le produit qu'on a, il est vraiment beaucoup plus. Il y a d'autres gens qui ont essayé de travailler avec vous? Qui travaillent avec vous actuellement ou quoi? Après, ça c'est notre business, seigneur. Moi je veux pas savoir avec qui tu travailles. Ok. Moi bien. Ok. Eh ben. Du coup, c'est Céliane, hein? Céliane, j'ai pris comprendre. Derba, la mif. Et Idriss, hein? Derka. Moi c'est Céliane, Bader, mon frère jumeau, et Idriss, notre petit frère. Ok, enchanté. Ok, ben si c'est tout bon, je pense qu'on va pouvoir vous laisser partir. Super. Ramène Enrico. Ah, merci. Parfait. À dans 2 jours, seigneur. À dans 2 jours. Bon, adios, bon. Gringos. Ouais, Abel. Ça va, Abel? Ça va? Oh, on peut être rapide et efficace, s'il te plaît? Vas-y, donne-moi la drogue. Attends. Si tu me ramènes ça ce soir ou pas, la plata? Je te l'achète avant moi, là cette fois. Tu me l'achètes là? Ouais, je te l'achète. Putain, tu me casses les couilles, je connais pas les prix, c'est pas moi qui gérais ça. Moi je connais. Parle-y. Ferme ta gueule toi, ferme bien ta moi, gueule. Moi je connais, c'est quoi, c'est de la coke? Oui.
La coque ça se revend 400, je te la prends 200. Comme ça, ça me paraît. Ça se revend 400. Ouais, toi tu te fais 200$ de bénéf, moi je fais 200$ de bénéf. Et au moins tout le monde est content. Sachant qu'après on va diviser par 3. Franchement, j'aurais pu négocier Zarma un petit peu à la hausse pour qu'après tu me renvoies une proposition. Arrête de me dire tes trucs que je comprends pas. Non, mais écoute, là je t'ai donné direct le bon tarif pour pas qu'on négocie pendant 30 ans. Ouais, tranquillo. Vas-y, va aller. T'as combien? Y'en est 100. Vas-y, c'est bon. T'es sur toi là? Ouais. Donne-moi la plata, non? Ah, t'en as 100, attends. 25 000. 25... Pourquoi 25? T'en as 100. Pourquoi 250? Mais non, 200. Eh, je pisse dans la voiture. 20 000, t'as 10 000 sur toi là? Non, j'ai pas. Ouais. Putain, ça y est, ça s'achète des chemises de marque et tout. C'est parce qu'on est à Caio Perico. Porte pas l'œil. Et tiens. Jure, Caio Perico. Bah, on était parti détendre un petit peu. Propre. C'est bon, mon champion? Prends une palette qui est là-bas. T'es un bon, Abel. Que travaille faux. Non. Enfin, oui et non. On travaille ensemble, on est associés. Nickel, merci mon champion. Ouais, on est associés. Dis-moi. Ouais, tranquillo. À partir de. Deux. Dans la soirée, il faut que je vous parle, tous les trois. Concernant les territoires, etc. Vas-y, c'est bon, de toute façon, nous, c'est la fête foraine, ça bouge pas. Ouais, mais là-dessus, il faut qu'on parle. Vas-y, c'est bon, de toute façon, nous, c'est la fête foraine, ça bouge pas. Vas-y, carré. De toute façon, normalement, il y aura pas de problème vu que la fête foraine, c'est à nous. Ouais, c'est à vous, mais faudra du coup qu'on parle vis-à-vis de ça. Vas-y, c'est bon. C'est bon, de toute façon, nous, c'est la fête foraine, ça bouge pas. Vas-y, à toutes. Vas-y, carré. Vas-y, mais du coup, après, je t'appelle pour qu'on parle de ça, ok? Vas-y, de toute façon, la fête foraine, c'est à nous. Ouais, de toute façon, ça bouge pas, la fête foraine, c'est à nous. Ah, c'est à vous? Ouais. Vas-y, carré, bah, je t'appelle après. Vas-y, de toute façon, ça bouge pas, la fête foraine, c'est à nous, c'est bon. Et oublie pas que la fête foraine, c'est à nous! Tu m'entends? Ouais. J'ai le bras droit des ballasts là, Barlon là, dans la voiture avec moi, je te le ramène. Vas-y. Je sais pas, demandez-moi un truc, posez-moi des questions. C'est toi, c'est à toi, c'est à toi de te défendre, c'est pas à moi, hein. Hein, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Tu veux que je te dise quoi? Je te connais même pas. Au moins 55 000, chérape. Tu veux des sous? Nique ta mère. Non, nique ta mère, tu vas mourir. C'est bon. Eh, hey, Galerio, bon, il va te piétiner. Tu vois, Galerio. T'imagines là ouais, Galerio va te piétiner. Tu te fais piétiner, là, c'est le mec qui se fait piétiner qui va te piétiner ta gueule. Mais moi, on est pas là-bas, ouais, je vais être sérieux. Ah bah, okay. Ah, tu veux pas nous dire, bah nique tes... Fait demi-tour. Ça y est, à un moment donné, on est pas d'accord. Vous dire quoi? Mais propose-nous plus que 50 000, je sais pas, un truc, parce qu'ils nous payent, c'est vraiment vrai. Je crois que c'est une blague, on nous bluffe. 100 000. Voilà, t'as vu, tu commences. Là, on parle français. Là. Je donne 100 000. Mais c'est pas assez, avec ton comportement qui était plus que désagréable. Ouais, franchement, non, là t'as mis trop de temps. Le temps, c'est de l'argent, et tout le temps que t'as perdu, c'est de l'argent en plus que tu nous dois. Henri l'a dit, le temps n'a pas le temps pour. Eh, nique ta mère, je m'en bats les couilles de ton argent. Je te ramène. Non, moi j'aime bien moi ton argent, ça va? Pour de vrai, tout de suite? Ouais. Tout de suite, vas-y, donne. Ouais. C'est où? Sur moi, je les ai pas sur moi. Tu les as où? Distributeur? Ouais. Vas-y. Il va nous baiser, hein? Mais non, j'ai son arme de toute façon là. Oh, tu nous baises, je te tue, hein? Non, vas-y. Non, il va nous baiser, ça me paraît trop beau. Ouais, abuse pas, c'est rien, 120 000 c'est de l'eau pour nous. Toi, tu nous impressionnes avec tes 120 000, fils de pute? C'est rien, c'est de la merde. Je sais pas, tu me dis oui. Non, mais c'est bon. Non, et moi je le sens pas, moi je pense que c'est trop beau. Vas-y. Fais pas le camp. Surveille de près, va voir ce qu'il fait. Ouais, je le regarde là, je prends à dégainer l'arme. Eh, tu sais, cours pas. Je vais pas te louper, moi. On m'appelle le El Pistore, puis nique ta mère, Marlon, fils de pute. Je peux retirer un aussi gros mot. Va à l'intérieur. Tu veux retirer combien, Max? Combien? Je sais pas. Il
est en claquette, il est sorti décontracté parce qu'il s'est dit c'est Abel. Mais là, il y a les bras bus, fils de pute, là. Mets des chaussures, ouais, serre les lacets. Eh ben tant pis, vas-y, monte. Vas-y, monte, monte, monte. T'as combien? Sur mon compte. Mais retire en plusieurs fois, retire en plusieurs fois, trou de balle. Attends. T'as retiré combien, là? Non, ouais, on fait plusieurs distributeurs. T'as retiré combien? J'ai envie de te baffer, là. Oh, grouille-toi, grouille-toi, on est en centre-ville, là. Là, j'ai 50 000, là, tiens. Vas-y, re-retire 50 000 encore. Va, celui d'à côté, tu re-retires 50 000 encore. Merci, hein, c'est bon. Arrête. Retire à l'autre, voilà. Voilà, tu vois, c'est ça. Stress, là. Et déjà, hop, donne-moi ton écharpe. Hop, elle est à moi. Je vais traîner ça avec maintenant. 30 000. Ça fait combien là? Ça fait 80 000 là en tout là? Ouais, voilà, c'est ouais, bon, ça suffit en vrai. Vas-y, vas-y, monte, 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 monte. Dans tous les cas, on a été livré, je te vois. De toute façon, ça suffit pas. C'est 120 000 le prix de ta liberté. Ouais, y'a pas, donc bon. Donc désolé. Ah, vous allez quand même livrer là? Bah, y'a pas assez, t'as pas assez, frère, c'est pas l'auto, nous. Ben, ramenez. Ok, ok, vas-y. Frérot, c'est toi, t'as pas assez, c'est pas ma faute, moi. On t'a baisé, on t'a. On t'a. On t'a baisé. On t'a baisé. Eh ouais, t'as retiré, t'étais content, hein. Eh ben non. Là, je vais faire plus. Tu te voyais gambader dans Groove Street, là, faire du BMX. Fils de pute. Je t'ai dit, mets des chaussures. Là, t'es sorti en claquette, c'est plus pareil. Et viens plus à la fête foraine, hein, on va te baiser aussi. Ouais, bah je vais revenir à la fête foraine. Mais il pourra plus revenir, les, ouais. Les vagos, ils vont c'est le tuer. C'est mon territoire. Pour de vrai, là, ils vont le canner. Bah, je pense. Ah ouais, bah, putain. Regarde, regarde ce qui va te baiser, regarde. Allez, descends, petite chaîne. Allez, viens. 0 sur 10 charisme, mais il va te niquer ta mère. Non, viens là-bas, viens là-bas, viens là-bas, viens là-bas, viens là-bas, viens là-bas, viens. Va contre les cartons. Barlone. Marlon. Ok, ok. Marlon. Ouais, ouais. Devinez, je mange quoi? Un giant encore! 4 jours d'affilée qui vont au quick. Avec le j'en peux plus. Même moi, j'en peux plus là. Je crois pas trop. Même moi, j'en ai marre. Ça va, Marlon? Ouais, ouais. Même moi, j'en ai marre. Tu vois que tu peux pas te débrouiller tout seul? Non, c'est juste qu'il n'y ait pas de temps à vous accorder. Du coup. D'accord, d'accord. Mais toi, quand il voit que tu viens à 15 pour me péter et moi avec 3 personnes, ça suffit, non, ça 15, fait rigoler. Pas 15. Oui, vous étiez combien? 7, 8? Mais tu es 8! Bah ouais. Ouais, voilà, ils sont 3 et ta mère, bref. Ça, ça ne change rien. Bon, parlons comme des grands garçons. On n'a pas 8 ans et on n'a pas que ça à faire, on est d'accord? Ouais. Donc apparemment, la fête foraine t'appartient. Ouais, elle appartient à Mega, moi, ou Ballas, ouais. Ok. Ok. Super, allez. Maintenant, tu m'as pris merci, combien? J'ai même pas regardé combien vous m'avez pris. Je sais pas, moi c'est Mega, moi. Ok. De la voiture. Ok, enlève tes claquettes. Vas-y. Bien vu. Combien de plata vous m'avez pris? J'en sais rien, je te dis. Je sais pas, ton portefeuille, il a été vidé de combien? Je sais pas, tu veux que je regarde, mais j'aimerais bien que tu me donnes la réponse. Vas-y, je sais qu'un de tes gars te l'a dit. Oh, les pieds crochus. Je sais pas, 20 000 il a dit, je crois. 20 000? Je crois que c'est ça. Non. Enlève ton t-shirt. Vas-y. Quoi, à la fin, tu vas le baiser? Tu me dis quand on peut se commencer à se les bras. Nique ta mère. Bon bref. Eh, hey, je t'ai fait baiser par des mecs en short, Barlon. Regarde, on est en short chemise, on t'a baisé, bouffon. Je vais prendre. Mmh. Ouais, des mecs en chemise à fleurs, ils t'ont baisé. Je vais prendre ton t-shirt. T'as des trucs cachés dans ton t-shirt, je sais pas, des poches, je sais pas parce que vous êtes parano les balasses. T'as des trucs dans tes poches là sur toi? Non. T'as combien de plata? Dis-moi, avant que je te fouille. 3000. T'as 3000? Ouais. Ok. Tu veux lui rester de l'argent lui aussi? Tu verras pas d'inconvénient que je te prends cette plata. Non, vas-y, prends. Allez. Maintenant, tu vas dire à tes gars,
à tes hijos de puta, des petits, de grands, de Adonis, de mes couilles, que la fête foraine, je vous emmerde là-dessus, ce n'est pas la vôtre. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a eu une discussion il y a une demi-heure à peu près. Ouais. Ok, tu sais ce que tu as à faire. Ouais. La fête foraine n'est pas à toi. Tant que je verrai. Poste tes couilles dessus comme un homme. Mais ça fait combien de temps? Comme un vrai homme. Ça fait combien de temps, hijoué puta? Je te vois ne jamais. Ne pas le ton quand jamais. Tu es ici, hijoué puta. Et bah pourtant. Non, mais vas-y. Pourtant, viens, il me suis occupé de Fatou ce soir. Ouais. Et je m'occuperai de n'importe quel gars qui sera à la fête foraine ou alors à Vespucci. Ouais, tu t'es occupé de Fatou. Mais pourquoi personne n'a calculé la fête foraine et maintenant tout le monde vend dessus? À la base, c'est à nous la fête foraine, hein? Ouais, c'est vraiment à nous par contre, les gars. Mais vous, voilà. Je vous connais même pas. Écoute, ouais, mais nous, on vend là-bas. On va faire clair, ok? Si c'est à eux, c'est à nous. On est bon? Voilà. Donc c'était petit. Non, pas vraiment. On est un peu indé quand même. Ouais. En quelque sorte. Ils sont mi-indé, mi-petit. Bref. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, vous vous êtes amusé. Tu sais quoi? Je vais regarder combien vous m'avez pris. Je vais prendre 5 secondes pour regarder. Vas-y. Ok. Vous m'avez pris à peu près, je sais pas, 5-6 000 dollars, ok? Mm-hmm. Donc là, il manque un petit peu pour rembourser ce que vous m'avez pris. Mm-hmm. Donc là, parce que vous vous dites que la fête foraine, c'est à vous, je vais te niquer ta mère, ok? Là. Enlève son slip! Je vais te niquer ta mère. Mm-hmm. Après, je te laisse sur le bord de la route, j'envoie une petite photo à Adonis. Et après, si tu veux me récupérer la fête foraine, fais ce que tu veux. Mais c'est à moi. Est-ce que c'est bon? Vas-y. Mais calme-toi! Qui veut avoir. Mais ton bel short, il reste que ça! Qui veut avoir l'honneur là? Qui veut? Toi, t'as l'air sûr, Exi. Quoi que tu me racontes? J'ai vas-y, nique lui ça. On l'a déjà attrapé, on va pas tout faire, Abel, quand même. Parce qu'il a pas tant. Ouais, temps, y a un hein, a... si tu veux qu'on lui nique bah ça. Bah oui, j'ai fait 80 000. On te l'a ramené, on le frappe, on attends, les attends, t'as dit quoi? T'as dit quoi? C'est quoi? Ouais, je mets du jaune aussi. Ok, bien vu. Bah de rien, t'inquiète, on est ensemble. Ouais. Mais oublie pas ma paye à la fin, Abel. Hein. Allez, Abel. Putain, c'est dommage, j'ai pas envie de te mettre un coup de club de golf, mais j'ai que ça, vraiment. Hein. Ou alors tu prends une balle, c'est toi qui décides. C'est quoi, je suis gentil. Club de golf, quand même, okay. Une balle, c'est pas la même. Mais je vais m'assurer de bien viser la tête, que tu sois moche toute ta vie. Déjà que là, tu es pas très beau. Attends. Je vais me prendre un coup. Attends. Spoiler okay. Alert, là, j'ai le bon angle. Perfect. Je vais en prendre un. Voilà. Et toi, c'est parce que. Comment ça, tu prends pas 80 000? Pardon. Tu prends 80 000 et tu me dis pas. Bah, c'est mon dos. On verra ça après. Mais il ment, tu le crois vraiment? C'est un menteur, ce fils de pute de Valas là. Bref. Putain. Je vais envoyer une petite photo, ça va être très mignon. La vision de jeu, mon ami Adonis. On dira pas que c'est nous qui l'avons fait, t'inquiète. Ok, parfait. Vous finissez la mission, vous le sortez, vous le laissez partir à un endroit. Oui, c'est bon. Allez. Ok. Vas-y, jette-le là un peu avant, il va courir, ça fera du bien. Attends, je le mets bien quand même, je peux pas faire le fils de pute. Ça fait gaffe, faut que j'aille à côté du parking. Vas-y, descends Marlon, descends. Allez, baisse ta mère. Donc le fils de pute. Allez, nage, fils de pute, nage. T'es un peu comme avec Fatou. Attends. Allez, descendez. Tous, levez les mains. D'accord, okay, on descend. En plus, j'allais appeler Moussa en plus. Ton arme, je n'ai rien, je te mets tout dans ton prenez ton arme. Je mets tout dans le petit sac. Tu passes tes deux pistolets. Oui, c'est bon, je t'ai donné, tiens. Nickel, allez, c'est bon. Vous va dans le coffre, On s'en bat les couilles, de où ils veulent. Ils ont géré. Attends, on va sortir par en bas parce que. Vous êtes qui, bande de fils de pute? Je vais te baiser ta mère, Céline. T'es qui toi? Très bien qui on est. Mais attends, mais comment ça se dit? Il connaît lui. Moi je m'appelle Christian Dioro. Vas-y, envoyez la pose à Chag là, comme ça quand t'as fini, tu viens et nous on gère ce qu'on fait là. On sonne par radio, s'il vous plaît. Bon. Les trois frères là. Qui es-tu? Tricks. Qui es-tu? Je dors, tu bois. Ah ouais, regarde son bonnet avec ses. Non, c'est Patrick. Ah ouais, Trix, il nous aurait appelé, il nous aurait dit venir à Forum. Ah ouais, parce qu'il a des couilles lui, Trix. Ouais, Trix, c'est pas un fils de pute comme toi.
Ouais, Trick, c'est un bonhomme, pas comme toi. Rendez-lui son téléphone, là. Rends-lui son téléphone, DJ. Ouais, c'est bon, je l'éteins. C'est bon, il est éteint. Non, rallume-le. Tu veux que je rallume? Mais attends, c'est long, allumer un téléphone, hein. C'est pas de gagner du temps. Quoi? Je vais perdre patience avant toi. Attends. Allô? Bon, baisse ta mère, Attends. Je comprends pas où tu vas venir là. J'ai rien à prouver. De toute façon, là, tu sais très bien ce que vous savez très bien ce que vous avez fait, vous trois là, ou je sais pas c'est lequel. On a fait quoi? On a fait quoi? Vas-y, on a fait quoi? Radio, ça me rend ouf. Comment ça, vous avez fait quoi? Eh, regarde, de toute façon, je vais être carré avec vous. Là, soit vous me dites la vérité maintenant, et peut-être vous avez un moyen de vous en sortir, soit je vais vous baiser vos mères tout de suite ici, je vais tous vous coucher là. Ça la vérité simple, maintenant, essaye de s'en sortir et je vous baise vos mères. Ok, toi t'es le maillon faible. Ok, les deux autres là. Non, c'est le chef. C'est comment? C'est le chef, Idriss. Oh putain. T'as vu, ça se voit, tu nous connais pas. Trix, il le sait que c'est Idriss le chef. Si, c'est moi, hey, c'est moi le chef du groupe. Si t'as un mot à dire, c'est à moi. On va pas finir. Hey, le Jamel, c'est quoi, on a fait quoi, les gars? Je vais vous allumer, le Jamel Comedy Club. Mais on a fait quoi? Dites-nous. La putain de vos mères, vous et vos bombes de spray au quartier là. Quelle bombe de. Quel truc de spray? Eh, moi, y'a des. Bah, vas-y, c'est bon, on va te faire enculer. Je croyais que c'était un truc pour la drogue ou un truc comme ça. Moi, tu me parles de tag. Tu crois qu'on est taggeurs, nous? Je vais tirer dessus. On n'est pas des tags. Décroise les bras, je vais te baisser ta mère. T'es là, t'es en détente. Je te couche maintenant. Écoute, Trix. Nous, on fait la blague qu'une seule fois. On la fait au Mayans. Et après, ça y est. Après, c'est pas drôle de la refaire. Ah oui, t'es curly, toi, recule. Ta mère. On n'est pas des taggeurs, nous, hein. Mais on est les propriétaires de la fête foraine. Et ça nous a pas plu, là, ce comportement, les gars. Ok, alors, y a quelqu'un qui vous a balancé, y'a des habitants qui vous ont vu. Qui nous ont vu quoi? Quelqu'un vous a balancé. Ouais, regarde, okay. En fait, décroise tes bras, je vais croiser tes ligaments ensemble, là, fils de pute, va. La putain, enlève tes bras comme ça, là. Mais laisse-moi te dire comme je veux, ça va pas ou quoi? Je m'en bats les couilles, arrête de croire que t'es en détente ici, je vais te baiser ta mère, là. C'est bon. Eh, regarde, c'est simple. Là, il s'est passé des choses au quartier, vous avez tagué un quartier où y'a je sais pas combien de familles, ils croyaient que ça allait passer inaperçu, bande de fils de pute. Où est-ce que tu vas venir? Tirer dessus, Célian. Je peux rien faire, je sais pas quoi faire de mes mains, s'il te plaît. J'aime pas avoir les mains qui tombent. Reste droit, baisse ta main. Qui t'a dit que c'était nous? Les mains du quartier, les habitants, les tantines aux fenêtres, tout le monde m'a dit que c'était vous. C'est des trous de balle ou quoi? Vous croyez vous allez aller. Bon, ça a été fait. Non, ce qui s'est passé, elles ont mal compris, les tantines. C'est que nous, on a vu des tags, et en gros, on s'est fait arrêter par la police, tu vois. On s'est fait arrêter par la police parce qu'on vendait de la drogue et on avait des TIG à faire. Et en gros, les TIG, c'est nettoyer la ville. Ça veut dire, on est venu, on nettoyait la ville, on a essayé de nettoyer les tags. Et vous après. Vous avez un couteau là ou pas? Pourquoi? Mais pourquoi faire? Tu parles beaucoup, machin. Là, quelqu'un a un couteau ou pas? Et pourquoi faire un couteau? Personne n'a de couteau? Ah, t'es musulman? Non. Vraiment de la chance. Écoute, on a juste fait nos TIG, il fallait qu'on nettoie les tags et c'est ce qu'on a fait. Je vais vous allumer. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi avant tes TIG, il n'y avait pas de tag? Ok, et pourquoi? Oh, il est là, Moussa? Moussa, t'es là ou pas? Quoi? Pourquoi Aiden il nous a baisé? Aiden, je ne le connais pas, je te l'ai dit hier. Explique-moi. Et Jordan. Pourquoi Aiden et Jordan ils nous ont baisé la drogue? Et j'étais là, j'ai eu aucun message. C'est toi qui me les as présentés. Tu me les as présentés. Et maintenant, je leur ai passé la drogue pour qu'ils la vendent. Parce que moi, je tiens la main. Je tends la main au petit de ton quartier. Et en échange, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, ils répondent plus au téléphone. Toi, mais toi, t'es un baiser. Mais y'a que toi, t'es un petit fils de pute, va. Eh, nous, on a tendu la main au petit du quartier. C'est ce qu'il nous a dit, Aiden. C'est ce qu'il nous a dit, Aiden. Aiden, ton habitant, il a dit quoi? Il a dit ouais. Laisse-moi parler. Aiden, ton habitant, il a dit ouais. Les familles, ils nous ont fait comme toi, ils t'ont fait. Ils nous tendent pas la main. Ils donnent pas leur chance. Du coup, ça veut dire que nous on le fait travailler, nous. Hey, essaye pas de retourner la situation tout le temps, tu fais ça. Ferme-la et écoute-moi. À partir de maintenant, là, c'est simple. Arrête de te prendre pour un grand. Je sais pas, tu crois t'es qui? T'es un gérant. C'est Idriss le chef, c'est pas moi. On t'a fait quelques mecs. Ok, pas de galère, on t'a tendu la main. Maintenant, tu viens insulter un man de mon quartier et m'insulter moi. Ça, c'est le pire, ça. Ça, je te le dis, hein. Limite, en fait, t'es con parce que t'écris Tyrell partout. Y'a qu'une seule personne qui a la haine contre Tyrell, c'est toi. C'est un coup monté. T'arrêtes de faire le trou du cul. C'est un coup monté, et je te jure, y'a pas que moi qui a la haine contre Tyrell. On nous a baisé. Ah, c'est sûrement ça. Bah oui, c'est clairement ça.
On nous a piégé, Trix. Fin de ma mère, je vais faire un film porno ici. Maintenant, je vais vous baiser vos mères, je vais vous jeter à la mer. C'est un truc de ouf. Par contre, moi, je suis pas de ce bord-là. Là, t'as vu, ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger à la merde. Là, je vais tuer tous les trois. Écoute, on a tagué ton quartier parce qu'on nique la grand-mère à Tyrell. Et je vais te dire un truc. Vaut mieux qu'on tague ton quartier plutôt que le jour où je vais l'attraper, qu'on sera nous trois et lui, ça va pas être pareil. Moi, je te dis, vaut mieux qu'on tague son quartier. Donc là, attends, c'est toi qui as tagué le quartier. Ouais, c'est moi qui ai tagué le quartier. Moi tout seul. Comment? Alors ça c'est pas nous par contre. Non Trix, ça c'est pas moi ça. Trix petit zizi c'est pas toi. Non c'est pas nous ça, c'est pas nous. Nous on a moi y'a que moi tout seul. C'est pas mes frères, c'est moi. Tout a été fait à la même heure, tout a été fait. C'est que moi. Mais nous c'était hier, on a enfin il a mis Tyrell, je sais plus quoi. Tyrell baisse ta mère. Donc attends, vas-y, ne parlez pas, ça sert à rien, ça va être réglé rapidement. Je vous mets une balle entre les deux yeux à chacun, ça va être rapide. C'est pas la peine d'en arriver là. Je vous ai tendu la main, je vous ai ramené au quartier. Alors que les balas, je sais pas quoi, blablabla, je vous ai mis bien. Là, vous voulez faire des embrouilles de trou du cul, vous voulez vous faire vos bails de d'habitude, comme inverser la situation, blablabla, vos trucs d'égo de merde. Maintenant, là, je vous dégage du quartier. Vous revenez, je vous retends la main, je vous envoie des travailleurs. Je vous mets bien pour développer votre business petit à petit. Là, tu me rechies à la gueule. Viens, je te montre un truc. Attends. C'est un putain d'usine dans ta grand-mère. Ok, tu veux que je te donne une raison. Tu veux que je te donne une raison de pas me tuer? Vas-y, dis-moi. Écartez-vous. Viens, Trix, approche. Viens. Qu'est-ce que tu veux? Viens, je vais pas t'embrasser. Qu'est-ce que tu veux? Approche-toi. Casse-toi. Je vais te donner un truc, s'il te plaît, viens. Donne-moi un truc, vas-y. Eh ouais. Ouais, c'est quoi ça? C'est la coke. Goûte-la. Ouais, d'accord. Je suis pas un camé, moi. Eh ben, dis à quelqu'un qui la goûte. Va la vendre, va plus loin, va la vendre. Va la vendre, vas-y, goûte-la. Bah, les couilles, je suis pas un vendeur, moi. Qu'est-ce que tu veux? De là. Tes gars, il va la vendre. Ça, c'est de la cocaïne de Caio Perico, ça. Ça se vend 1000$. Ça se vend 1000$ okay, $1000 le gramme. Mm-hmm. Tu vois? Tu vois où je veux en venir ou pas? Ça veut dire. Ouais, c'est où tu veux en venir et donc. Ça veut dire nous. Ça arrange quoi? Ça veut dire que nous, tu vois, comme t'as dit, tu nous as tendu la main, on est reconnaissant et tout. Tu vois, nous on est des bons avec toi. T'es reconnaissant en écrivant Trix fils de pute dans mon quartier? Non, c'est pas Trix, on t'a jamais insulté nous. Bien, arrête de te prendre pour un mec qui fait du business, t'es pas un businessman. Et... t'es juste un trou du cul, t'agis avec tes putains de couilles. Et ça me fait péter les plombs. Écoute. Et là, y'a absolument rien qui m'empêche de baiser ton business et de te tuer maintenant. Eh Trix, on n'a pas écrit. On a pas parlé de toi, on a juste. Moi les couilles, t'as parlé d'un de mes frères, c'est la même chose. J'ai juste tag Tyrell et regarde, je parlerai plus jamais de Tyrell. Je taguerai plus jamais Tyrell, je lui casserai plus jamais les couilles vis-à-vis de toi. Combien de fois tu m'en fais des... Non, vraiment, ça y est, vraiment c'est fini. C'est vraiment pas la juste hier, je veux dire la vérité, hein. Hier, j'aurais pu l'attraper, j'aurais pu fumer, il n'y avait pas mon ref. Maintenant, mon ref, il est là. Ça veut dire, maintenant, Tyrell, restez bien avec lui. Ça veut dire que tu dis que tu vas rien lui faire et après que tu... Non, je vais rien lui faire, restez... Non, mais non, je vais rien lui faire. Je vais rien lui faire à ce fils de pute de Tyrell, ni à lui, ni à son pote qui m'a volé de la cocaïne hier avec son écrochu là. Aucun des deux. Explique-moi le rapport là. C'est quoi le rapport entre ta coke de merde et ton... On est en train de monter un empire, Trix. Ouais, et du coup. Et que tu sois. Tu crois que tu vas t'imposer dans le business sans respecter personne et en faisant ton man? Nous on te respecte. À toi, juste Tyrell, on lui baisse sa grand-mère la pute. Laisse-le, je le prends avec moi, je le gamme. Ah, ça recule toi aussi. Vas-y, recule toi aussi, recule toi aussi. Je vais te tirer dessus, redis-moi, recule toi aussi. Eh, dans tous les. Eh, je vais te dire un truc. Célian, c'est soit tu taffes avec toutes les familles, soit tu taffes avec personne. C'est simple. Et Tyrell fait partie des familles. Ça a toujours été comme ça. C'est bon. Donc, moi, quand je travaille avec vous, je travaille avec les frères Boudère, je travaille avec personne d'autre. Je travaille pas avec Célian, je travaille pas avec Yanni, je travaille pas avec l'eau. C'est bon, je vais travailler avec tous les familles en vie, c'est bon, pas de problème. Donc, votre putain de problème là, depuis je sais pas combien de temps ça dure. Eh, soit vous le réglez maintenant, soit vous arrêtez de me casser les couilles. Regarde. Moi, là, ça me fait péter un plomb. C'est bon, c'est là, bon. Je suis en avec les balas, je suis en train de tuer des gens. On a compris. J'ai pas de ça à faire de régler des curly là. On a compris, c'est bon. Là, laisse-nous quelques jours et je te jure que avec tous les familles qui seront en vie, regarde, avec tous les familles qui seront en vie, je travaillerai avec eux. T'es un soundboard, la putain de ta mère, t'es un soundboard, ça fait 4 fois que tu me dis ça. 4 fois j'entends la même phrase, ouais Tyrell on va mettre les trucs de côté. Nique ta mère. Soit tu fais les choses vraiment. T'es un businessman. Bader, parle avec lui, Bader. Parle avec lui parce que je vais. C'est toi qui étais là. Moi j'ai rien à dire là. J'observe, j'analyse. C'est toi qui a discuté et le lendemain tu retournes ta veste. C'est quoi là ton business, ton truc, ton machin là? C'est bon, tu veux pas que je te dise? Je te dis pas. Les gars il le vend plus loin et il revient. T'as dit ça vaut les 1000$. Mais d'accord, je te crois, ça vaut beaucoup d'argent, d'accord, ouais. Ok. Y'a que nous qu'en avons. T'en as déjà vu toi? D'accord, y'a que vous qui en avons et vous pensez qu'à 3 vous allez rassasier tous les gangs d'ici là. Eh, laisse-nous faire. Tous les gangs.
Pour l'instant, on peut te rassasier toi, si tu te calmes. Collègue Abel, ouais. Comment ça, si je me calme, ma putain de ta mère, depuis le début, on fait du business ensemble, je vous ai accueilli. Y a que vous et Tyrell qui avez foutu la merde. Je qu'on soit d'accord. C'est parti. Moi, s'il y avait ni Tyrell ni vous, y'aurait jamais rien. On repart du début. Première fois, on se rend compte. Ils t'ont fait quoi? Il t'a fait quoi, Tyrell, Idriss? Moi, il m'avait mal parlé déjà dès le début. Et il lui a demandé de se déshabiller, il voulait lui faire des trucs chelous. Donc déjà, les bases sont... Bref, je m'en bats les couilles de là où ça part. Je m'en bats les couilles de là où ça part. Là, maintenant, c'est soit tu t'en bats pas, savoir. Je vais tourner un chapitre et je vais vous tuer tous les trois. Tu t'en bats les couilles de là où ça part quand ça t'arrange, en fait. C'est toi qui m'as mis un coup d'un... Ferme ta gueule, toi. Pas quand ça m'arrange. C'est bon. Ça y est, Tyrell, calme-toi. Attends, tu veux passer ces tags de connard. Dans tous les cas, ça oui, mais là je parle d'autre chose là. Là je te dis juste que je m'en bats les couilles de où ça part parce que vous me dites une version, l'autre il me dit une autre. Donc je m'en bats les couilles, je suis pas dans Secret Story là, j'en ai rien à foutre de vos histoires, de vos dramas de merde. Maintenant, soit vous tournez votre putain de page là, chatte à vos mères, soit je vous tue maintenant. C'est simple, là vous allez encore me dire oui, on va tourner la page avec Tyrell parce que vous êtes sous la menace d'un Uzi. Mais soit vous êtes des mecs, des vrais mecs du business, des vrais mecs qui veulent monter un empire et vous êtes capable de faire la part des choses. Et de travailler avec des gens, même si vous en détestez un parmi nous, soit vous allez aller nulle part, je vous le dis. Parce que là, vous faites des ennemis partout, vous faites des trucs de trou du cul. Entre le truc des Mayans, le truc des Vagos, le truc chez nous, vous allez faire aucun business. Votre coke, vous allez la vendre tout seul. Et sachez qu'à 3, vous ferez pas assez d'oseille pour baiser qui vous voulez. Donc je vous le dis, c'est soit vous comportez en mec de business, soit moi, je vais pas vous laisser ici. Hein. Je vous le dis, hein. Moi, les gens qui me font concurrence, j'en ai pas besoin. Donc on fait quoi? Parce que là encore une fois t'es sous la menace d'une arme, tu vas me dire oui, mais concrètement. Là moi je veux des mecs qui sont sincères, tu vois ce que je veux dire? Donc moi je les ai pas attaqués, je leur ai rien refait. Ah je vous parle. Ouais. Vas-y on arrête et on part chacun dans son coin. Laisse parler tes frères toi. Pitié. Je te jure. C'est lui le chef, c'est lui le chef. Lui veut plus parler parce qu'il en a marre de toi. Et non, c'est moi le chef, vraiment. Que tu le si t'en as marre de moi, pourquoi tu me proposes du business alors? Mais parce qu'il voulait trouver un arrangement, parce que t'es borné dans ton délire de ouais, Tyrell, je sais pas quoi, Tyrell, on s'en fout. Mais je m'en bats les couilles de qui a raison, qui a tort. Le problème, c'est que vous êtes toujours en train de chercher la petite bête. Là, vous venez dans mon quartier, devant mes man, vous avez la vie de ma mère, vous avez de la chance qu'il y avait pas de family. Que là, on a vérifié avant. Qu'on était beaucoup. On a vérifié avant, tu sais combien on est là-bas ou pas, bâtard? Non, mais les habitants, c'est des petites putes, c'est des poucaves, mais sur le coup, ils font rien. Il y a des habitants, ils sont broliqués, ils auraient pu tirer dessus. Mais voilà, ils ont rien fait, nous on savait que les familles. Il y en a qui t'ont vu, il y en a qui t'ont pris en photo, il y a des grands-mères. Ouais, non, mais ça on sait. La voisine m'a dit. Non, mais ça on sait, mais on savait qu'eux, ils allaient pas nous tirer dessus, c'est les familles, quoi. Ouais. Et nous, on savait que vous étiez pas là. Et donc, moi, je t'accueille, je te passe une assiette dans laquelle tu peux mettre ta soupe et toi, tu craches dedans. C'est ça, concrètement, là, ce qui se passe. C'est la métaphore et puis sa mère, mais bref. Concrètement, c'est ça. Non, elle était géniale, t'inquiète. Eh Bader, parle, s'il te plaît, parce que je te jure. Les gars, j'ai bu, moi j'ai picolé à Caio, je vous mens pas. Je suis un peu. T'as vu, je suis en train de décuver là. Vous êtes allé à Caio? Ouais, la famille, ouais. On était un peu alcoolisé, je te mets dans le contexte. C'est pour ça qu'on a des chemises là. Alcoolisé. On se rappelle que Tyrell, tout ce qu'il nous a fait. On croise un mec, là, un graffeur chelou avec un skate et un jean grave large, des Vans, qui est en train de taguer. On lui met une pêche, on prend ses bonbonnes, enfin ces trucs-là. On passe à Forum et là, je sais pas, c'est... Là, d'un coup, après, on... C'est flou. On cogite, on réfléchit, on dit putain, ouais, tac. Et hop, on a tagué. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, en vrai, on regrette. Ok, vas-y, ta gueule, laisse parler Céliane. Non, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Comment ça, c'est la vérité? T'es alcoolisé, tu penses à un mec que tu détestes. Mais quand t'es bourré, tu penses à tout. Tu penses à aux choses bien, aux choses ça mal. Ça fait 2 jours t'es bourré ou quoi? T'as fait 2 jours d'affilée. Je crois. Comment ça? Une fois t'as Tyrell baisse ta mère après tous les autres tags d'aujourd'hui. Comment vous êtes allé à Caio? Dis pas. On s'est téléporté. En hélicoptère. Je vais tuer 3 man, vous vous rendez compte? Un quota. C'est quoi cette question? On est parti en avion, hélicoptère. Comment ça t'es parti en avion avec quel argent? L'argent de la com? Ouais, l'argent du bénéfice. Donc t'es allé au truc, t'as payé en liquide genre 3000 balles de billets. Les temps ont changé, les petits sont devenus des grands. Ouais. Tu peux payer, on est parti à l'agence, on a demandé un billet pour la destination la plus proche où il fait chaud et
où on peut nager, voilà, on est parti pour un peu oublier tout ça. Tu vois, nous, on doit coffrer tout ça, blablabla. Faut mettre de côté le fer ou la pierre, ma bite, mon zeub. Ouais, mais nous, on a tout claqué dans les vacances. On a droit. Après, là-bas, t'as vu, faut se traîner dans des boîtes, des bars. On est tombé sur des petits trucs de coke. Des valises remplies de coke, donc. Non, on a que c'est le seul. Non, on a. C'est bon, si, on est revenu les valises remplies de coke. Et donc là. Voilà, putain, je voulais pas dire. Là, t'as un moyen de faire ramener de la coke en quantité ici. En grosse quantité, comme jamais t'en as eu. Mais que pour les mecs qu'on aime bien. Mais que pour les mecs qui sont pas dans la blacklist. Et du coup, pourquoi tu nous as pas proposé? Et pourquoi il a fallu te braquer pour que tu m'en parles? Parce que tu m'as envoyé des messages pour m'insulter. En vrai, la vérité, Silan, il voulait vous proposer, moi j'ai dit non. Non, c'est pas vrai. Bader, il voulait vous proposer, c'est Arrêtez moi j'ai dit non. Vous défendre entre vous là, j'ai envie de vous baiser vos mères. C'est pas tous la même réponse. En vrai de vrai, ils ont tous les deux proposé, c'est moi qui ai dit pourquoi non. Du bruit là? C'est moi le chef. Y a des vagos, ça skip qui rôde. Ils sont venus te défendre, Zélian. Ça braque les gars, ça. Ouais, ils sont venus me défendre. Ils braquent. Vas-y, gardez-les. Attends, Moussa, viens. On peut vous laisse-moi, aider, les gars. Laisse-moi appeler les vagos, je leur dis de calmer le truc. Tu vas rien faire du tout. Juste l'appelle. Je les appelle, je leur dis c'est bon, y'a rien. C'est bon? Tu peux pas les appeler. Ils vont même pas l'écouter. Oh, venez là, deux mecs qui viennent au niveau des. Voilà, je l'aurais dit. Niquez Tyrell. Oui, mais je veux venir, mais deux secondes. Lâche-toi ta mère, venez surveiller les autos. Oh, je parlais doucement, toi, ferme ta gueule. Comment ça, ferme ta gueule? Je ferme ta gueule. Non, écoute, c'est bon, dis-le. Moi, je vais répondre concrètement là. Attends, deux secondes. Dis-nous, Achim, Moussa. Ta gueule. Écoute, concrètement, c'est quoi? En fait, je comprends pas. Attends. Bader, je vais. Attends. Tu t'es tatoué, Moussa? T'es sérieux? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas le débat. Attendez, por favor. Hola, tout le monde, ça va? Ça va, Abel? Doucement, tu parles fort. Vas-y, Abel, dis-leur. Qu'est-ce que vous faites ici? On est pris et en otage. Que vous faites ici aussi? On est l'otage des familles. On baisse des mères. Tu là, baisses des mères? Ça te donne un problème, Abel? Ouais, problème. Là, y a un problème, oui. Vas-y, dis-moi. Le problème, c'est que tu veux baiser des gens, fais-le. J'en ai rien à foutre. Mais pas ici. Mais t'as vu l'heure qu'il est, cabron? Ça dort juste au-dessus, hein. Je m'en bats les couilles des voisins. Regarde, je vais crier, je m'en bats les couilles, je vous baisse vos mères, bande de fils de pute, voisins de merde. Eh ouais. Je crie, qu'est-ce que tu as fait? Ok. Oui, bon, nique ta mère, toi, forcé comme ça, fils de pute. Ça y est, t'es. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Dis-moi. Il s'est passé qu'on a des comptes à régler. Il est jaloux parce qu'on t'a ramené de la frappe de Caillot Perico à toi et pas eux. Voilà la vérité, Abel. Ouais, on lui a ramené de la frappe de Caillot Perico. Vas-y, attends, je vais m'occuper des vagos, après je te tue, deux secondes. Ouais, du coup. C'est pour ça que là vous êtes venu? Non, rien du tout, je t'ai dit qu'ici c'est à moi, je tourne. J'ai entendu la grosse daronne à Idriss là, gueuler. Je me suis dit, ça fait 30 minutes que j'essaye d'appeler des gens. Non, ils m'ont rien envoyé, tu peux vérifier mes SMS, ils m'ont rien envoyé. Ça fait 30 minutes que j'attends les trois là pour leur parler. Il me répondait pas, il me suis dit je vais aller tourner à Vespucci pour voir s'il n'y a pas des Aztecas ou je sais pas qui, vu que ça sera une discussion. Mais j'ai pas compris le bail là, à la base vous les avez attendus après le tag Mayans pour les taper. Et là, genre là c'était meilleur cousin. C'est pas tes affaires ça. Ah je sais pas, je te pose la question. Ouais mais après là t'as pas vraiment le choix de répondre au pire. Il veut te rentrer dans la tête. Tu veux que je te tiens le coup Abel, Fermez vos gueules vous trois, si je suis ici. Le mec comme Bob là-bas. Tu veux vraiment que je te dise? Ouais, c'est qui? Ouais, dis-moi, vas-y. Ok. Hermano, tout simplement. J'ai rien d'autre à te dire. T'as des amis? C'est une devinette? J'ai des amis, ça m'arrive. Ok, perfecto. Bah, c'est bien, t'as des amis, félicitations. Moi, simplement, j'entends du bruit. Je me dis que c'est Hermano à moi. J'entends. Non, mais. Comme je t'ai dit. Non, mais c'est pas ça sa question. Ah, c'est pas ça la question! Arrête de rigoler. Abel, dis-leur la vérité, dis-leur. Niquez-lui sa mère. Ferme ta gueule. Abel, dis-lui qu'on est une putain de mine d'or. Dis-lui la vérité, c'est bon. Dis-lui combien de sous on te ramène chaque soir. Je te pose la question de pourquoi, quand vous avez fait les salopes à les choper direct après les Mayans, de profiter du truc des Mayans pour les choper, et que maintenant c'est vos meilleurs collègues. Business, Trix, tout simplement. Comment ça, business? Des centaines de milliers de dollars qui pleuvent chaque soir, Trix, voilà pourquoi. Ouais, faut pas mélanger business et dignité là, ils t'ont. Y'a rien, on leur a demandé pardon. Ils ont accepté nos excuses, merci. En fait, Trix, ce que tu veux pas comprendre, c'est qu'il y a des gens, ils ont faim, ils ont la dalle d'argent, pas comme toi. Non, mais dis-moi, Trix, si tu es jaloux, je te les rends, y'a pas de soucis. Non, on reste avec vous, nous.
Si tu es jaloux, je te le rends, y'a pas de problème. Je sais pas à qui tu parles, Yanis. Je suis. Non, mais pas parce que. Parce qu'on veut, donc en fait, on a de l'argent. Non, non, tu baisses les balles. J'ai vu comment vous bossez et vous bossez très mal. Eux, c'est des charbonneurs comparé à vous. Par exemple. C'est pas possible, c'est aussi, c'est pas carré. Non, mais au moins, je suis honnête. Le problème, en fait, on bosse pas avec des mecs qui taquent chez nous des trucs. On taffe pas avec des mecs qui font les malins au quartier. Vous êtes les seuls responsables. On taffe pas avec des mecs qui insultent n'importe qui. On taffe pas avec le Jamel Comedy Club, c'est ça que tu comprends pas. Eh ben voilà. Ça, non non non, mais nous non plus on taffe pas avec toi, Trix. C'est quand que tu vas le comprendre ça. Et nous aussi on taffe pas avec toi. Regarde maintenant, vu que tu vas canner, tu vas taffer avec plus personne. C'est bon. Non, c'est bon, taffe avec toi. Non mais ça va jamais se finir comme ça. C'est bon, vas-y, prenez les vacances dans un coin là, régler les trucs avec eux là. Je vais finir avec ça. Y'a absolument rien à régler entre nous, simplement. Déjà, tu crois que Vespucci c'est ta zone. Je t'encule tous les jours sur cette zone. Les Vagos, ils sont deux, ils vont les niquer et après ils vont dire on baisse tout le monde. Ouais, Trix, du coup, je t'écoute. Ouais, du coup, là, c'est donc ça. Non, c'est bon, on va travailler avec toi, on va travailler de la patate. Ça n'a aucun sens, c'est contradictoire. À un moment, tu veux bosser avec nous, à un moment, tu nous pisses dessus. On va faire un bail, Je vais mettre les voitures prêtes à partir, on va faire un bail. Je sais pas, mais ouais. J'arrive pas à vous cerner. J'arrive pas à vous cerner. Des mecs que t'aimes pas, on s'en bat les couilles. S'il y a de l'argent. Quoi, on doit taffer, on doit s'aimer, se galoche. Non, c'est juste qu'il y a un minimum de respect en réciproque. Vous nous aimez pas. Non, moi je t'aime bien, Moussa. Tu tagues. Vous nous aimez pas. Il est embrouillé avec Tyrell. Normal. Il nous tire dessus, il nous a planté, tiré dessus, tout ça. Zizi, ça concerne aussi Trix ou ça concerne. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous, ça. Les tags étaient en même temps, les tags étaient en même temps. Eh, y'a d'autres gens, ils ont dû nous voir taguer, ils sont venus. Ça, c'est pas nous, ça. C'est quoi, c'est une réunion? Écoutez, ce qui me casse les couilles chez vous, c'est que je n'arrive pas à vous comprendre. Je comprends pas. À un moment, vous êtes là, à un moment, vous jouez dans deux pieds d'escale, je comprends non, plus. Non, on a toujours été droit. Nous, moi, ça fait. C'est contradictoire. Non, Moussa, non, Moussa, tu mens. Moussa, tu mens parce que ça fait 5 jours depuis que Trix nous a banni du quartier. Moi, j'ai dit, je veux plus travailler avec lui. Oui ou non, j'ai des droits. Maintenant, hier, tu allais le voir, tu lui as dit, est-ce que tu lui as demandé un service? Il te l'a rendu sans. Vous a rendu un service à vous aussi, vous avez gagné de l'argent. C'était rien. C'est donnant-donnant, c'est du business. En fait, ce que tu comprends pas. Alors pourquoi tu me dis oui, ne me rends pas de service? On n'a pas besoin de toi. Ton business hier, on l'a fait pour t'aider. Dans ce cas-là, pourquoi tu parlais avec. Comment il s'appelle? Céliane, tout ça. Pourquoi? De quoi? Pourquoi dès qu'on est parti, tu nous as pas juste oublié? Mais je vous ai pas parlé, qu'est-ce que tu me racontes? Si, tu m'envoyais des messages, je me disais ça y est, c'est bon et tout. T'as même dit ouais, vous bossez qu'avec moi, pas avec les autres. Mais t'es un baiser. Quand t'es parti. Wesh, mais attends, tu vas me faire passer pour le mec qui tient la bite là? Mais non, pas le mec qui tient la bite, mais frérot, nous. Non, attends, Trix, laisse-nous parler. Regarde. Tu nous as banni du quartier, on est parti voir les Vagos, toi tu nous as dit non, moi je veux pas que vous travaillez avec d'autres gangs que nous. Sauf que nous, on veut plus travailler avec toi. On veut plus travailler avec toi. Eh ben voilà, c'est bon, on en a marre de toi, t'as pas de parole. Tu vas niquer ta. J'irai plus taguer ton quartier, je vais plus te calculer, je parle plus avec toi, c'est bon, j'ai compris le message, je t'encule, Trix. Bon vas-y. Non, c'est bon, il a abusé. Mais moi je suis d'accord. Le stock il a trop. Désolé. Non, là c'est la passion, c'est la passion, c'est tout, c'est la passion. J'ai rien dit les gars. Moi j'ai pas dit ça, Trix. Ça montre ta vraie personnalité, Céline. Tant mieux. Vas-y, mettez-les dans la fenêtre, dans l'exemplaire là. Dépêchez-vous. Mais pourquoi tu es un ouf toi? Oh, montez là les chemises. Dans l'exemple, il conduit déjà. Mais nickel. On a aucune voiture, la Buffalo. Mais monte dans le coffre, je sais pas, frère. Ouais, je vous dis, tabassez-les, t'es là, t'as 3 de QI, nique ta mère. Je vais pas les frapper, je m'en dois les. D'accord, bah laisse les repartir et. Ils sont même pas respectés. Qu'est-ce qu'il y a encore, Idriss? Allô? C'est qui le mec? Oh, mais c'est qui? Allô? Il y a les baisses tous. Allô? Attends, ils veulent que je raccroche. J'ai pas fini encore, c'est pas fini. Bon, petit quart d'heure. Ah, okay. Juste raccroche tranquille. Si jamais il m'arrive un truc, venge-moi, s'il te plaît, Abel. Vas-y, mon frère. Bon tribunal. Merci. Bonne chance. Merci. Fais pas, mon frère. C'est moi, je vais le faire. Si t'insistes, mon frère. Hein. C'est très moi, je l'aurais fait. Hein. Il y en a un autre là-bas, si tu veux faire. Il y en a deux autres. Tiens, non. T'as iré le best à merde.
est pas beau. Viens, accompagne-moi, Dylan, on va le faire passer. Wesh. 150 sel. Sars, s'il nous laisse en vie, par contre, là, ça va être compliqué pour eux. C'est Bader ça, mais hey, Tahirel, c'est comme ça, c'est la vie mon frère, c'est le shit, c'est le kamas, il monte au cerveau. Arrête, t'as dit ok, tu continues. Bah parce que t'as des gros. C'est bon, ils font des descentes à 8 pour des tags, frère, on dirait j'ai baisé leur mère. Ouais, y'a quand même écrit Trix fils de pute en gros. En bas les couilles, c'est des tags, ils étaient bourrés. Et lui c'est ce fils de pute, Bader, c'est ce fils de pute qui a ma drogue lui, Bader, parle pas avec lui. Bader Yanis là, nettoie. Je voulais prendre son numéro. C'est moi, je nettoie, c'est pas lui. Ah ouais, son nez crochu, c'est normal, on reconnaît lui. Il y en a un autre en bas là, en bas de la gueule. On va se voir dehors. Tu passes des trucs, quoi, t'es en pantalon de pyjama. T'as pas de téléphone, c'est moi, je te dis. Fils de pute, toi aussi, hein. Hein, la putain. Vas-y, frappe. Pardon. Je vais te baiser ta mère, c'est fils de pute, hein. Fils de pute, tu voulais me baiser à moi. Arrête. Je fais quoi, toi? Arrête, toi aussi, c'est vrai. Arrête, toi. Ça y est. Je vais lui niquer sa mère. Fils de pute de Hayden. Hayden il est mort, Ruskov il est mort, Tahirel il est mort, Trix il est mort. Là vous faites les hypocrites avec moi et vraiment Céline, sache que tu me parles d'hypocrisie je sais pas quoi, les plus hypocrites c'est vous. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Mais tu veux qu'on fasse quoi? Si on fait pas les hypocrites tu nous tues. Tu veux que je fasse quoi? Mais tu tournes la page avec Tahirel fils de... Non je peux pas. Trix, voilà tu peux pas parce que t'as un nez. Si je te dis la vérité tu me tues. Si je fais l'hypocrite tu me grondes. J'en peux plus. Eh ben alors, je te gronde, c'est mieux que te tuer, fils de chien. Tu comprends pas? Je te gronde, je suis ton grand. Peut-être un jour, on s'en bat les couilles de la vie à Céliane, ça y est, Céliane, on s'en bat les couilles. Feed ma mère, si... Heureusement, vous avez Bader, sa mère, je vais serrer. Heureusement, il est là. La tête de Wam, heureusement, il est là. Vous seriez mort depuis 30 ans. C'est un truc de fou. Jure, même Idriss, il sert à rien de mentir, Idriss aussi. Crois pas, tu pètes le score, nique ta mère, t'es grosse tour. Je sais très bien, bref. T'as juste le sens du business, mais là j'ai aucun sens, c'est juste là, regarde, on te dit, tu nous dis, ouais, mais je veux pas que vous partez parce que vous allez taffer ailleurs. On te dit non, on taffe avec toi, on continue. Tu dis non, mais qui me prouve, vous serez carré. On va pas refaire le film, on va pas refaire le film. Mais c'est vous, vous êtes là, Céliane, on est là. Ça y est, on s'en bat les couilles de son avis, on vous l'a dit. Ça va, faut arrêter de ressasser, on va bosser ensemble et ça y est, si on bosse mal, tu nous niques, tu fais ce que tu veux. Moi je suis pas un menteur, moi je suis pas un menteur. Je te dis juste que de A à Z on a été honnête avec vous. Moi je dis toujours la vérité, moi je suis honnête moi. Toi t'es pas honnête toi. T'as été moins honnête que moi. Toi t'es pas honnête toi. La vie de ma mère que j'étais honnête avec vous. Demande à Moussa. Ah donc t'avoues que t'as pas été honnête. Tu l'avoues là. Demande à Moussa. Ah il a avoué. Il a avoué qu'il a pas été honnête. Demande à Moussa et Tahirel si j'ai pas dit que j'allais vous remettre au quartier, si vous tournez la page. Si j'ai dit à Moussa qu'après le tag des mains vous alliez revenir, c'est juste que je me suis pas écrasé parce que je suis pas votre petit. Attends, Bader, c'est simple. Quand on a fait le GoFast, à ton avis, c'était pourquoi? Réfléchis juste une seule seconde. C'était avant tout ça, de toute façon ça change rien, c'était avant. Ça change absolument rien, on est en train de... C'était avant, il nous a dit... Moi, à partir du moment où il nous a dit vous nettoyez le tag et vous serez pas banni du quartier et qu'on a été banni quand même, il a perdu dans mon estime. C'est fini. C'est un menteur. Voilà. Trix, c'est un menteur. Il ment. Non, mais attends, là il en dit plus, ça. En plus, tu cries ça dans ce quartier, nous, hein, ça nous, raison, là, tu vas vraiment te faire allumer. Hein. Non, mais nous, on a fait les cons, là il vient de faire le con et vous, ouais, vous avez quand même un petit peu fait les cons et voilà. Donc là, ce que tu comprends pas, c'est que j'ai dit à Moussa que j'étais prêt à vous reprendre. Juste, j'attendais que vous en fassiez plus. C'est juste ça, pour repousser vos putains de... Fallait nous le dire avant, et si tu nous l'avais dit avant, dès le début... Tu progresses, c'est que je te le dise pas, non, 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 moi j'ai qu'une parole, moi je suis loyal, ça veut dire demain, t'es transparent avec moi, tu me dis la vérité. Moussa, est-ce que j'allais pas les reprendre? Peu importe, moi, tu manipules pas, ça veut dire nous, tu nous as dit quoi? Tu nous as dit... Laisse-moi finir! Nous, tu nous as dit, si jamais on va là-bas et qu'on fait ce qu'on a à faire, on n'est pas banni du quartier. On est revenu, on était quand même banni du quartier. T'es de mauvaise foi.
C'est tout. C'est tout. J'attendais que t'en fasses plus, tu comprends pas le problème. Ça marche pas comme ça. Eh, soit tu fais du business, soit tu fais pas du business. On va pas repasser de l'histoire. Soit tu fais du business, soit tu fais pas du business, mais c'est bon. Comme ils ont dit mes frères, sans rancune. Sans rancune, je te promets, sans rancune. Regarde, regarde, vas-y. C'est quoi, on va pas parler de ça 30 ans là, ça fait une heure que je suis là, j'ai envie de serrer, on parle pour rien là, on répète les mêmes choses. Moi, j'attendais juste que t'en fasses plus et que tu tournes la page par rapport à ta IRL. C'est une gonzesse, je te l'ai dit, Bader. Maintenant, on va dire que vous avez tourné la page. Arrête de mentir, tu m'as rien dit. Vous allez nous contacter pour votre business, vous contactez Moussa si c'est celui que vous préférez ou je m'écoute. Mais toi aussi, on t'aime bien, il y a juste embrouille avec Tyrell et voilà. C'est, voilà, c'est... et bah regarde, Tyrell n'existe plus, lui pour vous, vous existez plus, vous ignorez, on s'en bat les couilles. Tu nous as dit pareil la dernière fois. Avant que je vous allume. Et la tête de ma mère, vous avez de la chance qu'il y a. Tu nous as dit pareil la dernière fois et le soir même, il nous a tiré dessus. C'est grave. Mais regarde bien, regarde bien. Là, je te le dis devant toi, la tête de Tyrell, il fait un truc contre vous, je le bute. Et la tête de ma mère, vous faites un truc contre Tyrell, je vous bute. Simple. Bonne soirée. Okay. Là, on est bon. Là, on est bon. Dégagez d'ici et lâchez une pipe à Bader parce que la vie de ma mère, que sans lui, vous êtes mort. T'es un bon Bader. Moi aussi. Un bon hypocrite. Qu'est-ce que tu m'en veux, ta mère, toi. Mais il est fou. Oh, descendez de là, descendez de là. Mais pourquoi tu prends la voiture? Descendez de là, descendez de là. T'as tué Bader? Quoi? Mais non, il se baisse, Descends Bader, descends. Bader? Bader, descends frère, ça se voit, tu se baisses. Couillet, je suis pas mort. Ouais. Moi je sais pas les gars, je pensais que c'était sa voiture. Vas-y, venez. Vas-y, faites monter les deux là, faites monter les deux. En fait, c'est là qu'on peut pas tout faire. Montez. Je vous jure, là, encore une fois. Dans le coffre. Ah là, regarde. On va lâchez le plus loin, lui, on s'en bat les couilles. Voilà. Là, je suis con, j'ai fait un pneu, je suis un fils de la pute. Attends, regarde, bah, juste aller là. Pitié, libère-nous, pitié. Ouais, mais moi aussi, je crois que j'en ai pas marre de vous. Vas-y, cassez-vous, descendez d'ici. Mais il va pas les canner. Mes affaires. Descendez d'ici. Mes affaires. Tiens, tes affaires, tiens, viens. Donne-lui, man. Ouais, fais le tour. Il est où le troisième? Merci, t'es un bon. Pistolets. Vas-y, bah lâchez-le, il va les rejoindre. J'hésitais. Vas-y, on va lâcher la voiture. Vas-y, dégagez. Ouais. Lui, le Aiden, là. Eh, hey, monte avec tes potes, non? Eh, hey, Aiden, je t'ai tendu la main, garde la drogue, mais je le jure, je te retrouve, je te bute. C'est bon ou pas? Quelle drogue? Là, je t'ai passé 100 pochons pour toi et Jordan, hein. Je le jure, Aiden, hein. J'ai vendu, j'ai l'argent. Pourquoi tu répondais pas au téléphone? Pourquoi tu répondais pas au téléphone? J'ai un mal de crâne. T'as eu un mal de crâne, donne-moi l'argent. Ok, c'est bon. Moussa, il t'appelle, Moussa. Ouais. Par contre, c'était mon message, il y a que 70 pochons, 70 pochons parce qu'il y a Jodo qui s'est endormi. Du coup, l'argent, c'est chez lui. Ah, c'est bon. Pourquoi t'as frappé? Eh, en fait, on va te baiser ta mère, quoi, quand même. Oh, wesh. C'est Liane. Ouais. Ah, t'as, lève-toi, putain, les fils de pute, attends. Vas-y, monte. Prends Aiden. Ah ouais. Monte. Vas-y, monte toi aussi là. Ça va, ils t'ont touché où? Je crois qu'ils m'ont pas touché. Ah ouais? Mais je crois qu'ils m'ont touché. C'est moi qui est tout près, je crois. Ah. Ah, il y a Idriss. Mais c'est pas possible. Ils nous ont tiré dessus, ces fils de pute. Hein? Oh, ah, ouais. Ils nous ont tiré dessus. T'en viens, monte. Décale. Attends, t'as pas été touché? Non, moi je viens d'arriver, ils m'ont relâché. Céline, t'as pas été touché? Ben, je crois pas. Vas-y. Du coup, toi, derrière, là, t'es avec nous? Mais lui, faut lui baiser sa mère, lui. Moi, je suis personne, mais y'a que le business.
Quel business, hein, on te donne du taf, on te donne la drogue, il te frappe, tu le frappes, toi. Toi, t'es une vraie pute, en vrai. Il m'a frappé, moi j'ai frappé. Et alors, on était patron, t'as vu, c'est grâce à nous que tu manges. Ah ouais, mais tu te frappes. Bah d'accord, on te pisse même dessus, tu fais rien du tout. T'as dit quoi? On te pisse même dessus, tu vas rien faire. Et je te jure, je te pisse dessus, je te frappe. Ah bah ça va, si tu me frappes juste. Bref, mais toi, demain, on va te baiser, toi. Là, t'as vu, on va aller baiser. Aiden, t'es un féministe, toi, de base, non? Non, pas du tout, je traîne la queue pour le bise. Ah. Là, y'a plus de bise, du coup, je traîne plus avec eux, tu vois, genre, je suis pas avec Moussa. Va à l'hôpital, t'as été touché. Va, et on en parle demain, tranquillement. Vas-y, les boys. Vas-y, à demain. Vas-y. Depuis petit, on brassine, faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs, ils veulent ma peau, mais non pas, ils les couilles de me chasser.